à toi salut clint salut tout le monde alors je vais couper ça qu'est ce qui se passe alors, alors tais toi tais toi tais toi voilà, bah bienvenue à bord. Je suis censé vous parler de la sociologie de Jean Duvigno un petit peu ce soir. Bah, Qu'est-ce que c'est que ce bazar Il y a un retour de la musique. Hein on va essayer d'éviter ça. Voilà, je pense que vous n'avez pas eu le retour. C'est juste parce que j'avais mon propre, mon propre navigateur ouvert avec le son qui revient. Alors, pour ce soir, donc, on va parler un peu de Jean Duvigno. Et on va essayer de parler d'anomie et de mutation sociale, du concept d'anomie, et notamment de quelque chose qui est pris dans cette notion, euh, dont il ne va pas être simple de parler pour moi ce soir, euh, c'est-à-dire de suicide. On pourrait dire que le suicide est le fait anomique euh, parmi tous les faits anomiques. Alors on va évidemment essayer de définir ce qu'est l'anomie. On va essayer de voir pourquoi un sociologue comme Duvignon est appelé à parler d'anomie, savoir si la sociologie a déjà approché la question de l'anomie jusque-là. Pour moi, ça va être un peu compliqué. Parce que j'ai appris il y a à peu près une demi-heure qu'un de mes. Non, il n'est pas durcamien justement. Il s'oppose un peu à Durkheim. Un de mes meilleurs amis, des plus chers et des plus anciens, dont vous connaissez certaines des réalisations dans le terrier, puisque c'est lui qui m'aide à programmer toutes les parties difficiles du site depuis quelques années. Marc Cornic, euh, mon ami, s'est tué euh, aujourd'hui. Voilà. Donc ça va être compliqué. J'ai quand même décidé de faire ça ce soir parce que euh, parce que qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Je peux être assis sur mon fauteuil et euh, à regarder mes pieds pendant toute la soirée. Donc c'est un peu compliqué pour vous, de, ça va pas être super marrant, oui comme le dit ma mère, ça va pas être drôle. Bon, je vous remercie de votre soutien. Ne soyez pas surpris si des fois ma pensée euh, part un peu dans, dans tous les coins et, et si j'ai du mal à essayer de resserrer euh, mon attention sur ce dont nous parlons. Mais je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire parce que euh, c'est un objet important à penser, le fait anomique, c'est-à-dire le fait complètement isolé, le fait qui résiste à toute généralité. C'est pas pour rien que quand, euh, quand Durkheim a écrit euh, sur euh, l'anomie, euh, bah, un des, des objets qui a été les siens, un de ceux auxquels il a pensé le plus fort euh, et qu'il a étudié, bah, ça a été le suicide, qui pose plein de questions, euh, notamment aux sociologues. Parce que c'est euh, extrêmement difficile de faire ancrer, re rentrer euh, dans une science aussi. Euh, Généraliste de la société école à sociologie qui tente de trouver des règles générales, de faire rentrer le suicide dans les règles générales. Durkheim a essayé de le faire, on ne peut pas dire qu'il s'en sort très très bien, notamment parce que Durkheim avait une vision assez moralisatrice. Ben oui, tu arrives à un moment douloureux, mais c'est. Euh... Je pense que ce n'est pas encore rentré. J'ai appris ça il y a une demi-heure. C'est un ami de 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on se connaissait. Et je pense que c'est pas rentré dans ma tête. Je pense que je prendrai conscience que mon ami a disparu demain, après-demain. Ça deviendra une réalité à ce moment-là. Pour l'instant, c'est encore une abstraction, si vous voulez. C'est quelque chose de parfaitement irreprésentable. Il faut déjà commencer à chasser de son esprit toutes les tentations qu'on peut avoir devant la mort d'un proche de s'y sentir à titre personnel impliqué dans ce choix, dans cette décision. Ce n'est pas la peine de se raconter des histoires en se disant j'aurais pu faire ça. On est obligé de se dire que avoir été son ami n'a pas suffi à retenir sa main. Donc c'est possible oui, que de temps en temps, ce soir, je quitte mon sujet, que j'ai l'air un peu rêvasseur, que je sois un peu perdu. Dans ce cas-là, eh ben, on... On parlera d'autres choses, ou on abandonnera la tentative de garder le, le caractère savant de la soirée. Voilà. Alors on va commencer déjà par euh, essayer vaguement de dire ce que c'est, clanomie. Un mot a déjà été prononcé au moins dix fois depuis le début. Euh... Ah tu n'avais pas compris euh, maman. Mais euh, bah oui. Ma voix est basse. D'accord, je vais essayer de la monter un petit peu. Euh... Ah, on est au maximum. Donc, je vais rapprocher le micro si tu l'entends pas bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais Le mot a déjà été prononcé une petite dizaine de fois et certains et certaines d'entre vous ignorent très probablement ce qu'est l'anomie. C'est pas un mot de la langue courante. On l'entend pas très très souvent. Très littéralement en grec, euh, anomie, ça vient de anomos, donc sans structure. Si vous voulez, sans ordre. Quelque chose qui est sans ordre et sans structure d'un point de vue euh, sociologique, puisque l'homme que je vais vous lire ce soir, c'est un sociologue, c'est Jean Duvigneau, qui n'est pas très connu, qui est peu lu, qui est un peu à part, qui a toujours des sujets un peu à part. L'anomie, c'est un sujet compliqué, vous vous en doutez bien pour la sociologie. Euh... Donc, euh, pour un, la sociologie, l'état anomique, l'état d'anomie, euh... Tu ne vas pas nous faire un cours de linguistique <laughs> Je suis désolé. Non, mais il faut se mettre dans la tête que tout le monde ne connaît pas forcément l'anomie euh, syro si coding. Donc il faut être... Un... Je vais essayer de rester un euh, peu près clair pour tout le monde, d'autant que ma maman est dans le chat, par exemple. Elle, elle ne sait pas ce qu'est l'anomie. Donc pour un sociologue, pour dire que c'est l'état soit d'un sujet, soit d'une situation, d'une structure qui aurait perdu toute norme régulatrice, ordonnatrice. Donc un sujet perdu loin de toute structure, en tenant compte du fait que ces structures, pour Durkheim, sont fondamentales pour produire, pense-t-il, une société qui se tient, puisque Durkheim, qui est, bon, alors, si vous ne savez pas qui est Durkheim, on peut rapidement vous le dire, c'est un, un monsieur qui est né au milieu du 19e siècle qui est mort au tout début du siècle, C'est un sociologue français, un des fondateurs de la sociologie. Bah, il la fonde de, de façon durable, notamment en créant une revue qui s'appelle « L'année sociologique », qui va marquer l'histoire et la construction de la sociologie. Ce n'est pas lui qui l'a créé de toute pièce. La notion est, est, pré, est déjà présente dans d'autres pensées, comme chez Auguste Comte. Mais là, la, la, « Salut à toi, Mickey Boy », euh, tu as lu le jeu du jeu que tu as trouvé très bon, c'est très très bien. Oui oui, j'ai lu ça aussi. J'ai même lu son roman lors de la République. Il a une œuvre qui est pas immense, mais qui est assez chouette. Il a produit une sociologie de l'art. C'est par sa sociologie de l'art, pardon, par sa sociologie de l'art que je l'ai rencontré, que j'ai rencontré son œuvre, que j'étais appelé à le lire parce que je l'ai trouvé plutôt bonne, plutôt intéressante. Donc je continue sur Durkheim. Alors sa pensée s'inscrit dans la lignée de celle d'Auguste Comte, c'est-à-dire qu'il est, est positiviste. Et, euh, donc s'il est très présent dans, euh, dans ce livre, parce que Duvigneau va en parler et abondamment, c'est qu'effectivement c'est un des premiers à avoir pensé le fait anomique, le fait qu'on pourrait dire hors de toute prédictibilité, d'une certaine façon, quelque chose qui, parce qu'il échappe à la régulation sociale, d'une certaine façon difficile à anticiper, à organiser, à rabattre sur les, euh, les analyses euh, habituelles des comportements euh, et, des, et des faits sociaux. Donc euh, il est présent pour ça. Et il est présent notamment dans ce livre de Duvignon, parce que duvignon s'en écarte, parce qu'il essaie de le penser euh, de le penser autrement. Voilà. Cette disparition de toute règle sociale, il la pense comme un mal de l'infini, quelque chose comme une, une ivresse perdue et désespérante devant euh, la fuite des règles. Il aura aussi une, une développé une pensée de, de l'anomie conjugale pour essayer de, sur la base de, de, Alors, on va dire de statistiques qu'il avait euh, en très faible quantité, vous vous doutez bien qu'à la période... Euh, à la période de Durkheim, on manquait sérieusement de matériel pour penser à la société sur des bases statistiques. Donc, ça l'est évidemment et ça laisse euh, souvent dubitatif devant les conclusions de Durkheim. Hein. Euh, mais il a intégré par exemple la pensée du suicide de façon statistisante euh, devant le mariage, devant l'organisation conjugale, devant la domesticité. Il a essayé de la penser, euh, on va dire, numériquement dans, dans toutes les conditions sociales euh, imaginables pour essayer de dégager des espèces de règles statistiques de l'apparition du fait anomique et on va dire du fait anomique par-dessus tous les autres, c'est-à-dire le suicide. Est-ce que j'ai fait des études de sociaux Non, j'ai euh, lu beaucoup de sociologie, mais je n'ai pas fait d'études de sociologie. Euh, donc, Duvigneau n'aborde pas la question de l'anomie la, pour la première fois. Dans ce, livre, dans ce livre là que je vais vous lire ce soir enfin, on va essayer hein. il avait déjà écrit un bouquin qui s'appelait Anomie et mutation sociale voilà. c'est un fait qui l'intéresse notamment à cause de la résistance de l'anomie à la possibilité d'être rabattu sur euh, des généralités ce qui n'empêche pas les tentatives de le faire c'est une notion l'anomie qui a beaucoup lieu qui est liée à ce qu'on appelle la poésie la poésie, c'est un terme que est utilisé dans plein de, plein de disciplines différentes. C'est, si vous voulez, en gros, c'est l'étude des potentialités, des choses qui peuvent arriver. Vous observez euh, un état, enfin, je veux dire, une, une situation, une structure, un sujet, une organisation à un état, et en tenant compte de toutes les qualités de cet état, vous essayez de déduire les potentialités, vous essayez de comprendre qu'est-ce que ça peut produire cet état. C'est une notion qui a été très développée dans le domaine de l'art, notamment pour essayer de comprendre ce que serait une autopoïèse, c'est-à-dire un système capable de se produire lui-même, un réseau de processus qui serait susceptible de se maintenir, de se prolonger tout seul. Et c'est euh, une notion qui, euh, qui est très liée à l'art, à la théorie de l'art. Or, la question de l'anomie chez Duvigno, elle est très attachée à sa pensée de l'art. Donc on va, on va beaucoup retrouver chez Duvigneault la volonté d'associer la pensée de l'anomie à sa compréhension du fait artistique dans la société. En quoi Duvigneault est très différent de, de Durkheim, c'est que Durkheim a une vision très étrange au fond de la sociologie, parce que c'est une vision qui est très oppositionnelle du sujet de la société comme si l'un et l'autre étaient dans une lutte permanente comme si la société était autre chose qu'une composition de sujets or ça n'est pas parce qu'on comprend les effets qu'une société a sur les faits anomiques entre autres que euh, on peut en déduire une espèce de détermination totale si régulière qu'elle permettrait d'être anticipatrice et prédictrice alors ça se rapproche de l'idée que le style est un écart par rapport à la norme dans la poétique. Ben, en sociologie, l'équivalent, enfin, en sociologie ou même en philosophie par ailleurs, hein, parce que la question elle, va se poser beaucoup du fait anomique par rapport à l'écart, effectivement, et à la déviance, puisqu'il s'agit un peu de ça. Hein. Le sous-titre du livre de Duvignon, c'est Hérésie et subversion, donc évidemment, euh, ça se rapproche de ce type de question. Socialement, on dirait plutôt. Que tout va se jouer entre la notion de normes et la notion de valeur. Et du moment où parfois ces, ces données peuvent rentrer en contradiction, à savoir les valeurs d'un sujet ou d'un groupe et les normes dans lesquelles ces valeurs ou ce groupe se trouvent pris et qui peuvent être par exemple de transplantation. Ça veut dire quoi cest à -dire que. Un... Bonjour à toi, à Bardol -Shtouille. Oui, c'est vrai qu'il est un peu tombé dans l'oubli. Ça veut dire quoi je, Si je vous parle, on reparlera de la question de la transplantation, mais elle est euh, chez, chez Durkheim, et puis chez ceux qui suivent Durkheim, cette question, elle est importante, puisque Durkheim essaie de comprendre qu quelles sont les conditions statistiques les plus productrices du fait anomique qu'est le suicide par exemple. Il, il s'écarte, enfin, il y a plein de choses qui n'appartiennent pas à la pensée euh, durkheimienne du de, de phenomène, qu'il ne peut pas comprendre, qu'il n'intègre pas. Et euh, évidemment, toutes celles qui, plus on va dire, plus tendanciellement vous rapprochez de l'idée de subjectivation, plus tendanciellement vous vous éloignez de la sociologie de, de durkheim. Or, euh, elle est centrale de la, du suicide, cette question de subjectivation. Et donc, il faut trouver des truchements, des moyens, des, euh, des pensées. Euh, organisatrice de la pensée dans lesquelles, d'une certaine façon, on va pouvoir rejoindre le fait statistique tout en l'approchant avec des questions aussi insolubles dans le fait statistique que l'anomie, que la, ce que j'allais dire, la, la solitude du sujet perdu loin de toute règle ou les ayant toutes renversées, par exemple, parce que la question de l'anomie, elle n'est pas seulement enfin, la situation anomique. Le fait anomique, la personne anomique ne l'est pas que par une espèce de fatalité comme perdu sans, des, sans règles, mais aussi par volonté. Et dans ce cas-là, c'est la position de subversion qui intéresse tout particulièrement Jean gens du mm. L'idée de la transplantation, par exemple, qui peut être questionnante d'un point de vue sociologique, c'est d'observer qu'une série de valeurs qui accompagnent, par exemple, un groupe social quelconque, par exemple, une petite communauté d'immigrés, transplantés dans un cadre normatif qui n'est pas le leur, peuvent se retrouver dans des séries de normes, donc de, on pourrait dire de dispositifs régulateurs, qui rentrent en parfaite contradiction avec leurs valeurs. Et euh, d'une certaine façon, tendanciellement, euh, Durkheim observe que c'est un facteur producteur de situations anomiques et de suicides. Euh, Durkheim observe ça aussi à une échelle beaucoup plus euh, large par rapport à la transformation de la société industrielle. Et pour qu'on ne soit pas complètement largué sur cette question, parce qu'on ne va pas non plus taper Durkheim, j'ai pas très envie, j'ai chopé euh, ma bonne vieille encyclopédie Universaliste, que rien ne saurait remplacer j'ai décidé de vous lire quelques tout petits passages de l'article consacré à l'anomie Durkheim, parce que ça nous permettra de mieux comprendre ben en quoi euh, la conception de vigneau s'en détache, et quel est le socle historique duquel on part. Puis comme ça, on pourra mieux comprendre ce que j'allais ce, ce aborder, à savoir la question du fait anomique qui croît, selon Durkheim, hein, dans les euh, sociétés industrielles, parce qu'il change les modalités d'organisation mmh. du travail. Et euh, il change l'organisation de la société euh, tout entière, on pourrait dire d'un monde de cohabitation d'organisation mécanique, à un monde plus imbriqué, d'une société qu'il appelle organique, mais qui produit de l'isolement et potentiellement donc, de euh, ce qu'il euh, appelle le mal de l'infini. qu'est-ce que tu nous dis, euh, Vector Spaces, tu ne connais pas assez Deleuze, mais tu crois que la notion de corps sans organe... Et l'horizon anomique accompli pour un sujet. Alors, il euh, y a plusieurs implicites dans Corps sans organe. On ne va pas forcément parler de cette notion euh, ce soir, mais euh, on pourrait même y retrouver d'une certaine façon la, la déclinaison post-durkamienne de la séparation entre euh, mécanique et organique. Parce qu'effectivement, euh, ce que fait le corps sans organe, c'est essentiellement de faire sauter des frontières. Et puisqu'il fait sauter des frontières, il fait également sauter des règles en tant que disposition d'organisation. Euh, et euh, ce qui va le caractériser, ce corps sans organe euh, surtout, c'est euh, de faire disparaître les articulations dans la série des organes. Pour devenir tout à fait autre chose, qui dépasse la série des organes et, et euh, cette espèce de, de vision très euh, séparée finalement euh, du corps, euh, quel que soit ce corps, hein, social ou ou individuel. Euh, donc, je vais vous lire le petit bout. On va, on va juste rapidement essayer de savoir qu'est-ce que Durkheim nous raconte euh, sur la nomie. Comme on va pas se taper Durkheim, on va juste lire. Alors, le truc, je vous cache pas que, que l'article a été écrit dans l'Universalis euh, par un type qui est très visiblement euh, Durkheimien. Hein, C'est un certain euh, Raymond Boudon. Alors, la l'anomie au sens littéral, l'absence de loi pose la question de la possibilité ou de l'impossibilité du droit en dehors de la loi. Mais je dirais que Bardol qu'il pose toutes les questions qui font surgir l'irreprésentable de la subjectivation dans euh, la série des déterminismes, quels qu'ils soient. Dit autrement, l'anomie n'arrête pas de reposer la question, évidemment, des conditions de surgissement du singulier. Comment il apparaît, que, quels, sont, quels sont les cadres nécessaires pour qu'il apparaisse, euh, quel est le minimum nécessaire. Pour que la régularité devienne irrégulière d'un seul coup Et sur quoi ça repose euh, Est-ce que ça repose sur, euh, sur un sujet ou est-ce que ça repose sur des conditions propres à, à, à et sur elle seulement à euh, lui ouvrir la, la voie C'est des questions évidemment que le sociologue cherchera, en tout cas chez Durkheim, Durkheim cherchera toujours à résoudre du côté de euh, plutôt des déterminations, évidemment. Parce que euh, l'idée d'un fait anomique, euh, autonome, est inimaginable. Alors évidemment, euh, de fait, il est inimaginable, c'est un vrai problème philosophique très simple, mais euh, la, la différence ne peut naître euh, euh, d'elle-même, forcément. Mais il faut trouver que dans quelle mesure euh, cet inimaginable devient imaginable, c'est-à-dire dans quelle mesure il y a un minimum nécessaire pour que euh, ceci soit possible, pour que d'un seul coup, euh, un geste, une décision fasse vraiment effraction dans l'organisation du monde, que ce soit le monde social, le monde des choses. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça arrive Donc l'anomie pose vachement cette question, et devant la loi euh, également. Alors alors. Le concept d'anomie forgé par Durkheim est un des plus importants de la théorie sociologique. Il caractérise la situation où se trouvent les individus lorsque les règles sociales qui guident leur conduite et leurs aspirations perdent leur pouvoir, sont incompatibles entre elles, ou lorsque, minées par les changements sociaux, elles doivent céder la place à d'autres. Alors ça, c'est quand je vous parlais de transplantation il y a des gens qui essaient d'adapter la question durkheimienne donc celle du changement social à la vitesse, c'est-à-dire le changement social, transplantation, hein, euh, changement social en tant que d'un seul coup, tel groupe d'humains se trouve bouleversé euh, dans ses propres règles parce qu'il est projeté, propulsé dans une situation à laquelle il n'est pas préparé et euh, qui change hein, les valeurs auxquelles euh, jusque-là il se soumettait par des normes auxquelles il n'était pas préparé. Mais on peut tout à fait tenter, enfin certains sociologues contemporains euh, tentent de poser la question euh, devant la question de la devant la rapidité. De transformation d'une société elle-même, en supposant qu'il euh, y a autant de brutalité et, et de, de, qu'on pourrait dire qu'il de, de, y a un caractère aussi invivable, aussi suffocant et aussi renversant euh, de changement de normes à la vitesse à laquelle s'enchaînent aujourd'hui les transformations sociales. C'est une question qui peut être posée aussi en, en ces termes, en tant que euh, certains se demandent, par exemple, si ça ne serait pas un facteur. Euh, aggravant de, euh, de situations euh, suicidaires. Alors quand je dis situation suicidaire, on est chez Durkheim, donc on est toujours dans une situation suicidaire, on va dire, euh, comme si le sujet avait pas de psychisme. Hein. <laughs> che, chez Durkheim, c'est pas un traumatisme psychique, c'est pas le malheur, c'est pas le... Non, 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 c'est vraiment euh, des conditions générales et sociales qui semblent être euh, détentrices des, euh, de tout ce qui va euh, tomber sur la tête du sujet. Ce brave sujet a très peu de vie intérieure chez lui. Durkheim a montré que l'affaiblissement des règles imposées par les sociétés aux individus a pour conséquence d'augmenter l'insatisfaction. Comme diront plus tard d'autres, la démoralisation de l'individu. Ça veut dire que pour Durkheim, il ne fait aucun doute, quand il parle du suicide, que celui-ci est des causes décelables. L'idée mélancolique échappe complètement à Durkheim, par exemple. Bon, le suicide stoïcien, bien entendu, mais l'idée mélancolique aussi. Or, euh, quand j'ai appris donc euh, tout à l'heure la mort de mon ami, la première question que je me suis posée, c'est pas du tout pourquoi a-t-il fait ça? Je ne me suis pas demandé ça. C'est une question aberrante. Je veux dire, Marc portait en lui son suicide comme possibilité contre laquelle je ne peux rien et je n'ai rien pu autant tant qu'ami. Je dois vivre avec cette certitude. Le fait que je sois vivant et son ami n'a pas suffi. Mais je ne me suis pas demandé quelle est la cause. Je ne me suis pas demandé s'il allait bien plus ou mal pour telle ou telle raison. Je ne me demande pas quelle est la cause de sa souffrance euh, devant la question du suicide, comme si on pouvait la résoudre en, en imaginant une échelle de souffrance qui euh, est développée par un fait. Par une action, par un événement qui change la vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le... Ça n'a pas beaucoup de sens, en tout cas, de le poser en ces termes. Mais chez Durkheim, la question, elle va se poser en termes sociologiques, c'est-à-dire quel est le cadre qui va être détenteur Oh, mais euh, merci, Victor ce... Spaceus. Oui, je, je, tout le monde n'en a pas forcément entendu parler, mais on y reviendra forcément de temps en temps, puisque c'est. Euh... Je viens de l'apprendre. Euh, donc, pour qu'il y ait démoralisation, euh, pour Durkheim, il faut qu'il y ait des formes tangibles et analysables finalement d'une euh, décomposition de l'organisation sociale pour donner un sens au suicide. Vous comprenez, Monsieur Gentil, merci de votre sollicitude. <laughs> Tellement bien être un sujet, pas avoir de psychisme du tout chez Durkheim, oui, ça t'aiderait, hein, ça nous aiderait tous. On souffrirait moins. <laughs> Donc, de ces démoralisations, Durkheim voit le signe dans l'augmentation du taux de suicide. Ça qui est, que, par exemple, un des traits assez intéressant chez Durkheim. Il, se pose, il, il corrèle de façon assez juste, euh, étayée par des chiffres, l'augmentation du taux de suicide avec la société industrielle, enfin, capitaliste. On lira tout à l'heure ensemble pourquoi le boom économique... Dans l'idée que se fait Durkheim, puisqu'il réorganise la relation des gens au travail, à la, au partage du travail, à l'organisation du travail, euh, pourquoi, selon lui, ça dérègle le cadre normatif dans lequel euh, se maintenaient jusque-là euh, à la fois leurs valeurs et puis on pourrait dire une certaine stabilité des relations sociales et humaines. Il ne questionne jamais le fait que cette société industrielle ait d'autres effets. Psychogène, c'est-à-dire évidemment, il ne prend pas cette position euh, qui pourrait être intéressante quand même socialement. Au lieu de se demander s'il y a un effet direct de la réorganisation du travail sur le taux de suicide, se demander si la réorganisation tra du travail ne participe pas d'une façon plus générale à une société euh, mortifère, délétère, qui rend mélancolique par ses valeurs tout court, par exemple. C'est une question qu'on devrait se poser, non? Ben non, moi je ne crois pas que mon ami se soit tué euh, aujourd'hui euh, pour une raison précise. Je ne pense pas que ça serait intéressant de savoir. Même s'il y avait eu un fait dans la journée, ce ne serait pas ce fait qui a déclenché son désir de le faire, de, de, le faire, de passer à l'acte. Mais ce fait agencé a toute une série de traits. Qui n'appartiennent qu'à lui, qui le constitue, dans lequel il a été peut-être euh, la pièce du puzzle qui lui manquait pour répondre à euh, son interrogation, à sa tristesse, à son malheur de cette façon euh, aujourd'hui. Là où le même fait, un autre jour, euh, n'aurait rien déclenché du tout. En effet, le suicide anomique qui vient de ce que l'activité des hommes est déréglée et de ce qu'ils en souffrent, a tendance à se multiplier en période de crise politique ou de boom économique. De même, il devient plus fréquent là où les mariages étaient plus fragiles, car l'homme est apparemment plus libéré des contraintes morales. Alors, il faut comprendre aussi que chez, euh, chez Durkheim, il y a la création d'une notion un peu particulière que euh, le suicide égoïste, comme une notion très morale aussi, donc il, amène, il injecte beaucoup dans sa sociologie hein, des, des notions très moralisatrices. Et ça n'aide pas, évidemment, à entendre d'une oreille très attentive ses euh, conclusions. L'idée générale de la théorie de Durkheim, alors je fais plein de trous dans le texte, hein, je ne vous le lis pas en entier parce qu'il ne s'agit pas de lire l'universalisme ensemble, mais bien de découvrir ensemble du L'idée générale de la théorie de Durkheim consiste dans l'affirmation que les sociétés évoluent. D'un type de solidarité mécanique et un type de solidarité organique. C'est ce que j'ai de vous dire tout à l'heure. Dans le premier cas, les éléments qui composent la société sont juxtaposés. Dans le second, ils sont coordonnés. Qu'est-ce que ça veut dire à tout ça euh, Vous pouvez vous trouver dans un état de la société où cohabitent euh, des guildes, des artis, des, des groupes de sachants. Euh, les orfèvres, les menuisiers, ceux qui connaissent la scellerie, qui connaissent leur métier sur le bout des doigts, qui s'organisent en oui, en guildes, qui se défendent ensemble, qui savent défendre leurs intérêts ensemble, qui s'associent. Et euh, tout ceci organise une société où des grosses cellules comme ça glissent les unes sur, le, sur les autres avec des, euh, des savoir-faire euh, qui sont euh, complets et complexes. Euh, dans un type de solidarité organique, c'est différent. C'est, euh, si vous voulez, c'est la, la division et la spécialisation du travail qui fait que, à l'intérieur d'une chaîne de travail, tous les participants sont liés par d'autres types d'obligations, mais personne ne sait vraiment euh, s'exécuter dans toute la chaîne. Il y a une organicité de la, la construction sociale. Alors, toi qui pensais que tu allais nous lire l'encyclopédie, des maths, tu es déçu. Je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas si tu as déjà eu une universaliste devant le nez, mais. Hein, c'est vraiment beaucoup beaucoup de volume et je ne suis pas sûr de vivre assez longtemps pour vous lire tout ça. Euh, vraiment. Je pense que même si mon espérance de vie était tirée à son maximum, à mon avis, j'ai vraiment pas le temps. Mais ce serait avec plaisir, avec quelques vies supplémentaires. Mais j'ai vraiment envie de quelques vies supplémentaires, mais je ne crois pas. Donc dans le premier cas, les éléments qui composent la société sont juxtaposés, dans le second, ils sont coordonnés. Le passage de la solidarité de type mécanique à la solidarité de type organique est associé à l'apparition et au développement de la division du travail. Voilà ce qu'on vient de dire. Nos sociétés montrent que ce processus de la division du travail ne fait que croître. Oui, de fait. Mais si en théorie l'intensification de la division du travail doit augmenter la solidarité, et l'interdépendance entre les membres d'une société. Alors, solidarité au sens purement, euh, on va dire, de la composition des éléments entre eux. Il ne s'agit pas du, du mouvement d'âme hein, qui rend solidaire les uns les autres. C'est une solidarité, comme on dit, d'une mécanique que toutes les pièces sont solidaires pour que ça fonctionne. Euh, si l'interdépendance entre les individus a normalement pour conséquence la dépendance de chaque individu particulier à l'égard d'un ensemble de règles implicites ou explicites, on constate cependant que la division du travail peut avoir des conséquences inverses. Ainsi, la spécialisation dans le domaine des activités intellectuelles conduit le savant non à la solidarité, mais à l'isolement. Alors ça, évidemment, c'est Durkheim qui écrit ça, euh, on est au 19e siècle. Ceci a changé parce que les modalités, les, les façons que nous avons de nous associer, de nous organiser ensemble ont énormément changé aussi. C'est-à-dire que nous pouvons parler euh, ensemble avec des dispositifs d'information très efficaces et très rapides, quel que soit notre degré de spécialisation, et assez rapidement nous organiser euh, complètement différemment. Mais ça, euh, évidemment, Durkheim ne risquait pas de, euh, de l'anticiper, vous imaginez bien. Ouais, les vies supplémentaires, c'est comme le psychisme, on n'est pas sûr d'en vouloir. Ouais, je te dirais bien sûr que je suis plutôt sûr du contraire. Je tenterai déjà d'essayer d'aller plus ou moins au bout de la mienne et on verra. C'est déjà bien du travail. Ainsi, la spécialisation dans le domaine des activités intellectuelles conduit le savant non à la solidarité mais à l'isolement. Comme il lui est impossible d'embrasser la totalité de sa discipline, le mathématicien va, dans certains cas externes, selon l'exemple de Durkheim, hein, passer son existence à la résolution d'une équation particulière. La baisse du prestige de la philosophie montre d'ailleurs que la division du travail intellectuel entraîne une disparition des valeurs et des problèmes communs. Bon là, c'est quand même une vision très fonctionnaliste finalement. Et la philosophie est de bien d'autres choses qui est aveugle. À ce qui se niche, en pli comme richesse et comme euh, hétérotopie dans la spécialisation elle-même. On peut être aveugle au fait qu'en ne faisant euh, qu'une seule chose, mais en y allant plus loin que quiconque n'y a jamais mis le pied, on le fait en ayant recours à des dispositions d'esprit, à des organisations euh, du travail, du processus et de la recherche qui sont finalement hétérogènes, qui sont une autre façon d'injecter de la pluralité, mais euh, dans la façon de travailler son objet. C'est toujours un peu arbitraire vous voyez, de, de découper de façon aussi euh, euh, visible, aussi euh, lisible euh, à la fois les activités et les territoires. Parce qu'il euh, y a bien des points sur lesquels ce qui nous apparaît discontinu est plus continu qu'on ne le croyait. La philosophie, écrit Durkheim, est comme la conscience collective de la science. Et ici comme ailleurs, bon, c'est le, le positiviste qui parle, hein. on voit bien la, quelle est la philosophie pour Durkheim. Et ici comme ailleurs, le rôle de la conscience collective diminue à mesure que le travail se divise. Mais il existe une autre forme de la division du travail anomique, c'est celle qui résulte du développement économique. Le développement de la production et des marchés fait que l'harmonisation des actions économiques devient impossible. Mais là encore, Durkheim écrit, en, il écrit ça à la fin du XIXe siècle. Donc il n'anticipe pas, euh, salut à toi Pata, il n'anticipe euh, il pas euh, du tout l'organisation contemporaine des marchés. La règle du producteur est non plus comme autrefois de produire en, des en fonction de besoins repérables, mais de produire le plus possible. D'où les crises qui agitent les systèmes économiques. Bon, là, on ne va pas rentrer dans la vision de l'économie. D'ailleurs, quand même, ce n'est pas du tout le propos euh, ce soir. D'accord Alors, je souhaite la suite. Et en résumé, il y a anomie au niveau de la division du travail social. Lorsque la coopération est remplacée par le conflit et la concurrence. Et lorsque les valeurs qu'acceptent où les buts que se fixent les individus cessent d'être collectifs pour devenir de plus en plus individualisés. Voilà comment Durkheim interprète la localisation du, des du fait anomique, euh, notamment du suicide, euh, dans certaines organisations sociales, en traquant en elle-même les causes possibles de cette rupture du sujet avec la société. Il n'arrive pas à imaginer... D'autres, même pas d'autres motifs, parce qu'on n'en a pas forcément besoin, mais d'autres causes euh, individuelles, au fait anomiques. Ça ne rentre pas dans euh, son imagination euh, de l'organisation sociale, ni même de ce que sont les sujets composant la société. Alors, je vais vous lire juste un petit bout à propos du suicide, parce que je vous passer un tout le passage sur le suicide domestique, etc., c'est pas forcément là encore, on va, pas rentrer, euh, on va pas rentrer dans le détail. Au niveau du suicide, pour lui, l'anomie est donc définie comme caractéristique des situations où la société cesse d'exercer une fonction de régulation sur les passions. Alors là, il parle des passions conjugales, des passions sexuelles, qu'il s'agisse des désirs de promotion ou de gain ou des désirs sexuels. C'est-à-dire que Durkheim ne peut pas imaginer qu'il existe un malheur qui ne pousse pas sur les paramètres prétendument objectifs du bonheur social. Il ne peut pas imaginer qu'on ait envie de se tuer dans un état social qui proposerait idéalement toutes les bonnes normes et toute la bonne régularité pour qu'on se sente bien. Autant dire qu'il y a beaucoup de choses que Durkheim ne comprend pas du suicide. Vraiment pas. Ok, donc il euh, y a euh, sur cette base-là des gens qui vont un peu repenser euh, ça en, en y apportant des corrections, d'autres des, idées, notamment euh, Parson, qui, qui est en quelque sorte un, un dur camion mais qui, qui améliorera la compréhension de certains traits, en, euh, et qui, du coup qui pourrait mieux analyser ce dont moi je viens de vous parler. Euh, en supposant que des sociétés euh, proposent des horizons, des objectifs, on pourrait dire des valeurs, tout en ne produisant pas les cadres susceptibles de les atteindre. C'est exactement ce que produit notre société. La société, par exemple, place comme idéal, comme horizon, des valeurs, le travail, l'argent, dont... Toute sa structuration, donc toute sa pyramidalisation, euh, interdit à la plupart des gens de les atteindre. Donc, elle produit évidemment un malheur. Alors, bon, évidemment, les durkheimiens pur et dur ne veulent pas entendre cette chanson, mais pourtant, il faut savoir en tenir compte pour mieux comprendre que ce qui ne tient pas debout essentiellement chez Durkheim, c'est toutes les productions de cadranomie qui échappent complètement à la lisibilité euh, de l'environnement social euh, immédiat dans lequel il se trouve pris. Durkheim et réac, oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Hein, C'est pas, pas franchement un marxiste. Voilà. Alors, je pense qu'on a, on a tous un peu vu. On peut juger que Durkheim était réac, mais ça serait réac de gauche. <laughs> oui, oui, sans doute, parce que l'air de rien quand même. Il s'oppose il hein, à, à sa position. Elle, elle, est, elle prend encore contre l'industrialisation, la, 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 la nouvelle répartition du travail avec sa spécialisation et sa division. Donc clairement, Durkheim voit, il voit dans, dans quel orbe se trouve le danger, quand même. Alors. On va aborder euh, du vigneau, bon, pour l'instant ça va, j'arrive à vous parler à peu près normalement. Donc je rappelle aux, aux gens euh, qui viennent d'arriver que ce soir c'est un peu compliqué pour moi de vous parler. J'ai appris une nouvelle terrible et du coup j'essaye de, de, de vous, vous lire euh, des trucs, et de vous faire entendre quelque chose, mais euh, ne bon, m'en veuillez pas si je vous lâche en plein truc. C'est possible que ça arrive, que je m'effondre comme une grosse merde et que je vous dise bonsoir. Ou alors que je vous invite à parler d'autre chose. Que j'invite Suisse à faire 3000 calembours à la minute. Voilà. C'est les affres du positivisme, ça, peut-être. D'être réacte de gauche, oui, très probablement. Ouais. Mais euh, c'est assez marrant, mais bon, on va pas revenir une fois de plus sur. Euh, parce que là, pour une fois, un de nos lives euh, n'a rien à voir hein, avec. Euh, avec la zététique, on va peut-être euh, éviter ça, mais on pourra en tout cas assez facilement comprendre quel type d'agencement euh, intellectuel euh, ouvre à, à cette tendance. Voilà. Alors, quest voilà ce que nous dit Dufignan. Merci, Pata. C'est avec le théâtre que j'ai commencé à me demander si les relations qu'on établit d'ordinaire entre la création imaginaire et la vie collective avait un sens. Ça paraît être posé comme ça, comme une question assez insignifiante, mais elle est... Non mais vas-y, Suze, tu sais, la gravité de, de mon état moral n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire ce soir. C'est pas non plus... Vous n'êtes pas obligé de vous... Euh... De, de partager mon deuil. Vous n'êtes pas là pour ça. On, on se voit ensemble ce soir, c'est pas pour ça. On est ensemble pour essayer de comprendre qui est du vigno, qu'est-ce qu'il faut, euh, comment il pense l'anomie, etc. Oui, c'est vrai avec Torspeces. Oui, c'est vrai. Bah, c'est en ça qu'il est vraiment positiviste. Quoi. Donc, c'est une question qui est intéressante, euh, parce qu'on voit bien que la création imaginaire, elle est dedans. La vie collective, puisque c'est fait par des êtres humains. Mais les relations entre les deux sont assez difficiles à saisir. Alors je sais bien qu'on qu nous a longtemps bassinés avec la catharsis, avec cet héritage de lecture grecque, mais bon, c'est assez foireux. Voyons ce que va nous en dire Duvignon. D'autant que Duvignaud, on lui doit, je vous le rappelle, une sociologie de l'art qui est pas mal du tout, que je vous invite à lire, hein, qui est plutôt chouette. D'une façon générale, lire Duvignon, c'est plutôt pas mal. D'explication, certes, il n'en manque pas. Depuis 100 ans, donc du Duvigneau écrit hein, dans le XXe siècle. Lui, il écrit ce bouquin-là, je pense, dans les années 60. Alors, c'est quand Il doit écrire à 170. 73, voilà. Donc, euh, il place, le, un, depuis un siècle, le discours critique sur l'art qui a euh, produit, on pourrait dire, des cadres théoriques pour lier art et société. Il n'imaginait pas, si je crois qu'il imaginait, quelle euh, incroyable postérité le discours critique sur l'art allait avoir au point, euh, critique et social, au point de dépasser euh, assez légitimement d'ailleurs la théorie les théories de l'art, parce que pour les théories de l'art, il euh, n'y a pas de demande, il hein, n'y a que de l'offre. Depuis cent ans, le discours critique côtoie le discours créateur et souvent se confond avec lui. Tout le monde... Exécuter sur un poème, un tableau, une pièce, un opéra, un numéro du genre de ceux qu'on applaudit aux leçons d'agrégation que le jeune professeur répétera, inlassable, jusqu'à sa retraite et dont il fera même quelques livres. On pourrait même dire d'ailleurs que c'est une activité, c'est déjà qui est une relation. En soi, c'est une relation entre les œuvres de l'imaginaire et, euh, et la vie collective. C'est une relation qui se place, qui, qui vit, qui se développe à, à l'intérieur des universités. C'est quelque chose. C'est un fait suffisamment général pour qu'on puisse en dire quelque chose de, et le caractériser. Alors, la catharsis, c'est 6 D'accord. Kirchis, c'est un peu tiré par les cheveux. Tu peux faire mieux, à hein, Suisse tout le monde peut construire une théorie esthétique, littéraire ou politique avec les œuvres qui sont là, rangées au hasard. Mais nous voulons y trouver une logique intérieure. Alors, mon bémol, évidemment, ce que dit Duvigneau, c'est qu'il est tentant, une fois que les œuvres sont en présence, de trouver un sens général, une logique générale à l'organisation. Je dirais que les histoires de l'art font déjà ça souvent. Elles produisent des cadres dans lesquels des fois c'est relativement légitime. On pourrait appeler euh, des cadres théoriques, à savoir l'iconographie par exemple, qui peut lier les, les œuvres en, en, entre elles par des séries de signes qui sont euh, contextualisables, datables, et qui nous disent quelque chose par euh, bah, des liens entre ces œuvres elles-mêmes et des liens entre les créateurs euh, de ces œuvres et puis leur époque. Voilà. Mais ce que vise Duvignon, c'est l'idée d'une théorie esthétique qui serait vraiment extérieure aux œuvres, telles qu'elles sont produites à l'université, et qui tenterait de trouver un autre type de cohérence et de logique euh, entre les œuvres. Ce serait donc une, une, théorie, euh, une théorie esthétique comme celle que je vous lis régulièrement de Adorno, par exemple. Euh, tu, tu te chauffes, d'accord Je ne parle pas seulement des œuvres écrites sur les œuvres depuis 150 ans, et d'où émergent aujourd'hui quelques livres importants, il le reconnaît hein, quand même, moins parce qu'elles relèvent d'un auteur ou d'une œuvre d'art que parce qu'elles les prolongent ou les trahissent. Effectivement, euh, de la théorie, c'est encore de la création. C'est quelque chose qui, au-delà de la rencontre avec les œuvres, permet d'aller plus loin dans l'expérience qu'on a d'elles. Donc c'est pas mal déjà, c'est bien de parler des œuvres, d'écrire sur elles, c'est euh, intéressant. C'est faire d'autres œuvres avec les œuvres. Brûlez vos icônes au graphite. Nos icônes au graphite. <laughs> Mais ce sont surtout des livres écrits par des artistes ou des écrivains. Donc selon duvignon c'est quand elles sont produites par des créateurs, donc qui ont déjà des visions à hein, eux-mêmes, que ça devient intéressant. Donc, il en cite quelques-uns Ruskin, Gide, Valérie, Broch, Thomas Mann. Comme ça, on peut se faire une petite idée de à quoi pense euh, Duvignot quand il parle d'œuvres qui prolongent hein, les œuvres, en, soit en les trahissant, euh, soit euh, vraiment en les étendant. Alors, si vous ne savez pas qui c'est, hein, Ruskin. Euh, Ruskin, c'est un monsieur qui est euh, né au début du 19e siècle, il doit être mort à la toute fin du, du 19e ou au tout début du 20e. C'était un critique d'art, hein. il était lui-même aquarelliste, peintre, dessinateur. Il a été prof, euh, prof de dessin, prof d'art. Il était euh, au, au passage exécuteur testamentaire euh, de William Turner. Donc, il, a, il, a mis en, il a réglé euh, le, le, la succession Turner à, avec la National Gallery. Euh, il a écrit pas mal dessus. C'était un mécène aussi, mécène des... De ces gros couillons de pré-raphaélites, donc de Millet, de Burne-Jones, de Dante Gabriel Rossetti, etc. Et euh, dans les années 70 de son siècle, il a fini par enseigner à Oxford. Et euh, on le retient, son nom surtout, parce qu'il a énormément influencé les intellectuels, notamment William Morris, euh, qui ont fondé and Craft. C'est une référence philosophique et intellectuelle de and Craft. Voilà, donc mouvement dont on a déjà un petit peu parlé ici et dont on reparlera sans doute en, en lisant le travail que fait dessus, euh, comment euh, le travail politique que fait dessus Thomas Golson. Il parle donc euh, de Riskin, de Gide, bon, Gide vous voyez qui c'est, donc Gide c'est... Euh, c'était très très lu encore quand j'étais enfant et adolescent, je pense pas Qu'on lise encore énormément en mais peut-être. Donc, vous le situez fin 19e, milieu du 20e à peu près. Euh, dans les bouquins chouettes, il y a Palude. Alors, Les nourritures terrestres, c'est un de ses plus connus, mais euh, il y a Les Caves du Vatican, ça c'est vraiment chouette. Moi j'aime particulièrement Palude, que je trouve assez fascinant, euh, parce que l'objet de Palude, c'est un livre qui ne s'écrit pas, qui est Palude. Donc, on est toujours en train d'écrire Palude dans Palude. C'est un, un des réformateurs du roman. C'est un des modernistes. On pourrait dire ça comme ça. Il est connu surtout pour fonder la NRF. Donc, c'est pas rien. C'est un lieu ou une revue dans lequel on s'expérimentait beaucoup de choses dans le domaine littéraire romanesque en France. On le connaît aussi pour son bouquin « Retour de l'URSS », puisque c'était un communiste convaincu, vide, euh, mais il est revenu euh, en faisant une critique assez violente du stalinisme, du totalitarisme euh, rouge, euh, assez déçu. Et il s'est d'ailleurs fait un peu botter le cul par euh, ses camarades, qui ne trouvaient pas très bienvenu euh, qu'il écrive cette critique euh, euh, de Moscou. Voilà, voilà. Et euh, à part ça, il était gay. Euh, C'est pas sans importance dans son existence à prendre la place, et notamment si vous lisez son « Corridon », qui est un bouquin qu'il a eu beaucoup de mal, à écrire, à faire publier dans une époque qui était quand même très moralisatrice, hein, mais où il aborde frontalement son homosexualité, de qui nous parle encore... Euh il nous parle de valérie donc il veut parler de Paul Valéry. C'est un contemporain de Gide, hein, pareil, fin 19e, milieu du 20e. C'était un pote du grand poète Pierre-Louis. Je vous ai déjà lu euh, des euh, poèmes pornographiques. Puis il est devenu pote de Gide euh, grâce à Pierre-Louis, puisque Gide et Louis ont été amis un petit moment. Il a commencé sa carrière comme poète. Je crois qu'il est devenu célèbre grâce à des poèmes euh, que j'ai jamais lus. Euh, je crois que c'est « Les Jeunes Parcs » ou « La Jeune Parc ». Euh, C'était un type plutôt réac lui aussi enfin, Ça a été un anti réfusard convaincu Ce qui est bien triste Ce qui ne l'a pas empêché de se positionner contre le péténisme, Bien qu'il ait fait le discours je crois, Il a fait le discours d'intronisation de Pétain à l'académie je crois Mais mmh. euh, il a pris la défense de Bergson en pleine guerre Ce qui lui a valu d'être éjecté de son poste Puisque Bergson était juif Et il l'a fait haïtien, il savait très bien ce qu'il faisait Donc c'est un type assez tordu, un peu complexe Et c'est un génie romanesque absolu euh, si vous voulez lire des trucs de Valéry, lisez Monsieur Test, qui est tout à fait incroyable. Mais il a fait aussi quelques essais, notamment euh, sur le dessin. Il y a De Ga dans Dessin, qui est un très, très joli livre. Sinon, il, met, il nous parle de Bror aussi. Hermann Bror, c'est un Autrichien que je pas lu, moi. Un 19e, 20e, c'est un ami de Joyce et de Huxley tout ce que je peux vous en dire, c'est qu'il a échappé au nazisme grâce à ses là il a migré au, aux états unis bon, il a écrit La mort de Virgile la trilogie des somnambules enfin voilà, j'en sais pas grand chose de plus alors et Thomas Mann, pourquoi je vous dis tout ça Thomas Mann, vous voyez qui c'est hein c'est un écrivain allemand, enfin pareil fin 19 e début 20 e on connaît bah, La mort à Venise puisque ça a été adapté au cinéma par Visconti son bouquin le plus célèbre, c'est La montagne magique, que j'ai pas lu. Et le docteur Faustus aussi, que j'ai pas lu non plus. Voilà. Bon. On ne peut pas dire que je connaisse beaucoup, mais ça vous donne un portrait de, de goût, de Duvigno, la façon dont il se représente euh, la belle écriture théorique sur les œuvres. Voilà. Euh, donc il parle, il dit Je parle surtout ici du discours méta hein, ou méta-pictural. Qui donne aux figures créées un autre centre de gravité que celui que qu'elles nous proposent naïvement. Bon, alors là, c'est supposé que les œuvres nous donnent, euh, nous donnent juste des théories naïves, ce qui n'est pas vrai. Enfin, les, les œuvres en elles-mêmes composent des cadres théoriques depuis longtemps. Je vous allais dire que je radote, parce que je vous parle souvent de Quintilien, mais depuis Quintilien. Il est établi que c'est un questionnement qui est au corps des œuvres. Je vous ai déjà bassiné avec les tableaux et les, les, les plafonds de Tiepolo qui sont des véritables théories picturales. Souvent, je vous embête pour vous ramener à ça, euh, les œuvres portent en elles-mêmes l'affirmation d'une théorie dont elles sont pas seulement l'exposition appliquée, mais pas du tout. Elles sont réellement le processus d'investigation. Donc c'est bien de les penser comme ça, quand même. Et euh, je ne crois pas qu'il qu faille voir les œuvres dans un état de... d'une façon générale, dans un état de candeur par rapport à la proposition théorique. C'est plus compliqué que ça. Et c'est pas parce que la plupart des artistes sont, je dirais, aveugles à leur propre proposition théorique qu'elles n'en sont pas moins là. C'est une autre chose de, les, de savoir les rendre explicites en les énonçant, en les formulant, et tout simplement de s'abandonner à elles dans vos œuvres elles-mêmes. Ce sont deux choses différentes. Ça ne veut pas dire donc que ça n'y est pas. Certes, la peinture, voire la musique, appelle un tel discours. Et les peintres elles, savent ce qu'ils doivent à Apollinaire ou Elifort. Wagner, ce qu'ils devaient à Baudelaire, sans le savoir, et à Nietzsche, en le sachant trop. Alors, Wagner, ce qu'il devait à Baudelaire sans le savoir, euh, je ne sais pas de quoi il parle. Nietzsche, en le sachant trop, bon, là, on connaît bien le, le, la longue histoire d'amour des amours entre Wagner et Nietzsche. Je ne sais pas euh, tout ce que les peintres doivent à, à Apollinaire, mais ce que dit à juste titre euh, Duvignon, euh, c'est que pour bien comprendre l'art d'une époque, ça, c'est un truc vraiment. Euh, que, comment Abby Warburg a très très bien mis en, en scène intellectuelle, il faut comprendre à quelle société intellectuelle productrice d'autres choses que, que les mêmes cadres, euh, quelle est cette société pour chacun d'entre eux, quels étaient leurs amis intellectuels, avec quel poète ils parlaient et euh, c'est quelque chose qu'il est vraiment toujours intéressant de, de comprendre dans une espèce d'ensemble général, vaut mieux on gagne beaucoup à quitter un instant euh, la lecture diachronique de l'histoire, de, de, de l'art par exemple, en enchaînant les tableaux, les mouvements, etc., en s'arrêtant un petit instant et en voyant à tel moment M euh, tout l'état d'une société intellectuelle et poétique, euh, musicien, peintre, poète, euh, mêlé, et de voir les liens qu'ils ont entre eux et ce qu'ils se doivent. Voilà. Le commentaire dépasse l'information et même ne se contente plus de prolonger, prend la voix du Créateur, ou du moins lui prête une voix fictive. Il ne faut pas voir les œuvres comme des êtres désœuvrés. Effectivement. Et c'est bien de les voir comme des sujets, par ailleurs, jusqu ce que j'aurais tendance à penser que les œuvres sont plus des sujets que des objets, en tout cas. Plus proche du statut du sujet. Oui. Le discours dont je parle... Englobe les formes de création et recherche en elles une logique concertée, bien qu'impensée ou informulée, que le critique pourrait reconstruire. Le critique achève ce que l'œuvre a d'inachevé, ce que moi je ne crois pas. C'est un, un rêve, mais on pourrait dire c'est pratiquement un, un rêve sémantique. Et les grandes analyses de Lucas, d'Adorno, de Goldman, de Max Raphaël, de Panofsky, de Gramsci, n'expliquent pas les œuvres par rapport à elles-mêmes, mais par rapport à ce que ces œuvres ne pouvaient rendre manifeste de leur enracinement dans le temps, dans leur temps. Donc le critique achève. Alors là, il y a toute une liste de noms, on a parlé souvent d'Adorno ici. Alors, il y a des gens que je connais pas, par exemple Goldman, je suppose qu'il parle David Goldman, mais moi j'ai jamais lu ça. Il est. Il est connu surtout pour ses travaux dépistémos mais je n'ai pas lu ça. Lucas, je ne le lis pas, lui, c'est juste parce qu'il me casse les couilles. Donc, euh, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc est, Cette lecture-là, euh, épuisante. Euh, Max Raphaël, je ne vois pas qui c'est. Panofsky, j'ai bien du mal à le supporter. Euh, mais et Gramsci, oui, c est, c est, pourquoi pas Bon, un peu importe. Ça fait du monde. Il hein. euh, y a beaucoup de lectures politiques hein, dans, dans tout ça. Euh, ce qu'il dit, donc, c'est que ces lectures... « N'explique pas les œuvres par rapport à elle-même. » Là, il faudrait s'entendre sur ce que ça veut dire « par rapport à elle-même », et je crois que c'est ce que cherche, ce que traque vigno c'est que sont les œuvres par rapport à elles-mêmes, hein, comme il le disait dans sa première phrase, euh, trouver un, un, un sens entre la création imaginaire et, et, et la vie euh, collective, mais qui soit dans une logique intérieure, pas dans quelque chose comme une production extérieure, quoi. Donc, pas par rapport à elle-même, mais par rapport à ce que ses œuvres ne pouvaient rendre manifeste de leur enracinement dans le temps, dans leur temps. Alors ça, c'est des questions qu'on se pose souvent, parce qu'il y a dans le contemporain plein de contemporains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une pleine conscience du contemporain. Le contemporain est impur, est très impur. Ce qui veut dire que chaque moment est tissé de cette impureté considérable. Alors, quand bien même on serait désireux de rendre perceptible quelque chose du contemporain, il y a tout ce qui, dans le contemporain, y est hétérogène et on pourrait dire, d'une certaine manière, euh, comment anachronique. Le contemporain est tissé d'anachronisme. Eh bien, cela, on ne pourrait pas réellement le rendre sensible. Il n'y a pas de possibilité d'épuiser le temps présent. Le temps présent est plein de fantômes. Il est complètement noué, enchevêtré, de fantômes. De fantômes visuels, des fantômes dénoncés. Donc, qu'est-ce que les œuvres ne peuvent rendre de leur enracinement dans le temps On devrait plutôt dire, quel est ce peu, ce tout petit peu, que les œuvres peuvent rendre manifeste leur enracinement Fondamentalement, ça n'est pas grand-chose. Ça peut être des énoncés, ça peut, selon les œuvres être euh, une relation critique ou analytique. Le, les artistes n'ont pas attendu le XXe siècle pour, euh, à l'intérieur de leurs œuvres, qu'elles soient littéraires ou qu'elles soient poétiques, qu'elles soient plastiques ou musicales, pour euh, analyser, critiquer, euh, mettre en, en, en questionnement leur temps politique, par exemple, l'organisation sociale, etc. La satire n'est pas née au XXe siècle. Donc ça, par exemple, c'est des choses qu'on peut rendre manifestes. Mais là encore, c'est le très peu de ce que l'on sait de son temps. Et euh, tout ce qui nous échappe, à, qui est noué dans le temps présent, donc ce, ce, on pourrait dire ce, ce tissage spectral des temps antérieurs dans le temps présent, ce sont des choses que les théoriciens plus tardifs, donc les gens dont on parle duvignon ben, pourront rendre compte, à part une autre vision, une vision peut-être plus large, une vision plus approfondie sur certains points, parce qu'ils pourront brancher des choses que les artistes n'avaient pas pu brancher en leur temps euh, entre eux, des concepts, des notions, des choses qu'ils n'avaient pas vues. Euh... Anthologie. <laughs> C'est très drôle, une anthologie. Une anthologie. Ah, c'est pas mal, je trouve, comme terme pour parler de, du tissu de, des spectres qui constituent le présent. C'est assez beau. Une œuvre est à la fois supra-objet et infra-sujet. Oui, c'est ça. Elle est elle est dans un état... Hein. C'est un peu, tu sais, comme quand Bergson parle de l'image qui a un statut assez intéressant, qui est un peu moins que l'objet, un peu plus que l'idée. Et euh, la tension de de l'œuvre, elle se joue vraiment euh, entre cette espèce de... Elle est à la fois immanente et transcendante. Elle a, elle a un nouage vraiment très, très particulier des, des activités auxquelles nous pouvons nous la lier, telles que nous en faisons l'expérience. Et par cela, elle change nos vies et, euh, de façon vraiment manifeste. Mais on avait déjà parlé ensemble de... Cette opérativité des œuvres d'art avec les gens du gaume Si vous n'avez pas vu ça, vous pouvez vous y référer sur la, la chaîne bande dessinée. Il y, y a un podcast qui parle de ça, qui parle de, euh, de ce que font les œuvres. Voilà. Le théoricien, oui, c'est dégueulasse, c'est vrai. Il faut ne pas, faut pas voir ça. Ce discours ne peut être que réducteur, selon lui. Euh, ce discours que, que, par lequel les théoriciens en question rendent manifeste des aspects du temps. Évidemment. Parce qu'une œuvre d'art fait tout à fait autre chose, vous vous en doutez bien, que de rendre compte du temps. Cette lecture complètement sociale des œuvres est stupide. Les œuvres ne sont pas le reflet d'une société. Elles sont des actrices d'une société et en ce sens, elles concourent à la transformer, à la changer et à l'égarer aussi. Donc, euh, évidemment, le, le doux rêve d'une vision sémantique des œuvres qui, qui tenterait par tous les moyens de, de transformer une série d'images en une série de mots ou d'énoncés, euh, c'est celui qui permettrait aussi euh, d'en de, finir finalement avec le sens d'une œuvre à l'intérieur de ses relations sociales également. Quoi. Ce discours ne peut être que réducteur. Et il ne peut manquer de traiter les formes imaginaires comme des réalités assimilables aux autres réalités. C'est là-dessus que le danger pèse sur lui. Quand les psychanalystes disent ⁇ ce n'est pas vous qui parlez, c'est votre résistance qui parle ⁇ vous connaissez hein, cette vieille antienne euh, psychanalytique, quand vous vous soustrayez, quand vous, vous refusez à... Euh, euh, on ne va pas dire au diagnostic, mais en tout cas à la situation analytique. Il est dit que vous êtes résistant ou résistante. Voilà. Donc, vous n'avez pas de chance de vous en tirer. Hein. De ce point de vue, le discours psychanalytique a toujours raison. C'est un petit peu exaspérant. Ça n'est pas son moindre défaut. Il y en a d'autres, mais bon. <laughs> euh... Qui a encore mal garé ses sociétés Moi, je garde très mal la ma société. Lorsque les marxistes disent ce n'est pas votre moi qui s'exprime. C'est votre classe qui se manifeste à travers vous. Ils fournissent la justification de cette tentative critique. Donc du vignot, là, s'en prend vraiment à euh, justement à la tentation trop grande de la sociologie de n'être que euh, dans, dans cette espèce de, de construction euh, euh, où euh, chaque action, chaque fait trouverait d'emblée sa... Euh, raison d'être et d'apparaître par une justification déjà présente dans le cadre social. Une sorte d'étang-là, comme s'il n'y avait pas d'acte de création, par exemple. Quand tu fais des calembours, ton analyste dit ça aussi. Le critique acquiert, en raison de l'éloignement que lui confère la distance dans le temps ou l'espace, une sorte de lucidité dont ne disposait pas l'auteur. Il voit et décrit des relations qui n'étaient chez le créateur qu'informations incontrôlées ou impensées. On peut dire ça. On peut aussi dire que le penser n'est que un des modes de l'organisation de son expérience du monde. Ou vous lire autrement, euh, toute cette expérience du monde qui est la nôtre n'a pas que l'énoncé pour Apparaître, il y a autre chose que les formulations du discours qui nous permettent de rendre sensible, et, euh, appréhendable, de on dirait de communiquer, si vous voulez, euh, même si le terme est euh, assez piégeux, à notre euh, expérience du monde et notre compréhension de cette expérience. Donc, euh, c'est pas forcément de l'incontrôlé ou de l'impensé, on pourrait dire que c'est. Que ça n'atteindra pas à la formulation, que ça prendra d'autres voies. Ça ne veut pas dire que c'est un pensée. Alors, le critique acquiert, ceci, cela. Il sait, lui, ce que l'autre ne savait pas, l'autre, donc l'auteur, l'autrice. Ou n'aurait su que s'il avait remplacé son œuvre de fiction par l'énoncé d'une doctrine religieuse, politique ou par une confession psychanalytique. Il est très moqueur là-dedans, chignon. Bon, il est vrai que les principes explicatifs ou les moteurs logiques que propose le discours critique. Sont en petit nombre. Et euh, alors, ces principes, ça va être quoi Ça va être le milieu de Taine Donc, Taine c'était un critique d'art et un intellectuel du 19e, très réactif, un copain de Flaubert. Malin, quand même. La vision du monde, Beltang si vous voulez, hein, de Lucas ou de Goldman. Alors, Goldman, bon, bon je vous l'ai dit, j'ai pas lu, hein, ça doit être Alvin, sinon je vois pas. Je sais pas L'idéologie des marxistes la structure de l'inconscient des freudiens, l'opposition des valeurs explicites et des valeurs inconscientes des weberiens, la structure interne du texte, telle qu'elle apparaît aux sémiologues ou aux linguistes. On pourrait dire des raisons d'être des choses, quoi. Je connaissais comme tout le monde ces analyses souvent remarquables, en tout cas éclairantes. Il dit comme tout le monde, non, tu exagères Jean Duvignon, pas comme tout le monde. Ah non, il exagère un petit peu. Mais il m'apparaissait qu'elles avaient toutes en commun une volonté implicite d'administrer l'imaginaire plutôt qu'elles ne s'attachaient à la pratique de la création. Bah oui, ce qui intéresse, évidemment, on, l on comprend bien, Duvignon, c'est. Ce n'est pas la gestion des formes achevées. Ce n'est pas l'organisation de leur présence dans l'entendement une fois que les œuvres sont là, quand elles font pas. Mais comment, quand elles apparaissent, comment elles se fabriquent, comment elles naissent de façon très matérielle à l'intérieur de l'atelier, etc. Tu crois que c'est Lucien Goldman Je ne sais pas qui c'est. Goldman et Lucas sont souvent mis ensemble, d'accord, surtout quand on veut critiquer l'approche marxiste des œuvres. Eh bien, je ne sais pas qui est Goldman. Donc, si tu peux nous en dire quelque chose, Vector Specius, ça m'intéresse, parce que moi, je ne vois pas du tout qui c'est. Là, j'atteins mon seuil, de un de mes nombreux seuils de compétences. Donc, il connaissait, comme tout le monde, ses analyses souvent remarquables, éclairantes. Mais il m'apparaissait qu'elles avaient toutes en commun une volonté implicite d'administrer l'imaginaire plutôt qu'elles ne s'attachaient à la pratique de la création, qui est problématique. Hein, parce que... Parce que si on doit se poser la question en ces termes, on doit d'emblée se poser la question de l'irrégularité. Euh, le seul exemple différent serait ici fourni par l'interprétation des rêves de Freud, qui, au long d'une longue et périlleuse assaise, réanime le travail original du rêve tout en définissant la structure interne de la vie onirique. Mais bon, justement, il s'agit d'autre chose et il s'agit de Freud. Oui, évidemment, il s'agit de complètement autre chose. Il s'agit à série d'autre chose, c'est pour ça que Duvignon y apporte de l'intérêt, et c'est vraiment intéressant, effectivement, c'est que Freud s'écarte d'une tradition millénaire du regard porté sur le rêve, qui s'attachait, on pourrait dire, aux objets du rêve, aux conditions narratives, euh, plastiques euh, du rêve. Là où Freud, peu à peu, néglige cet aspect. Essaie de trouver plutôt des corrélations entre non seulement l'agencement dans la durée du rêve, mais la façon dont, en le racontant, on fait jaillir des énoncés. Quel est le lien entre ces énoncés de l'éveillé et ceux qui ne sont probablement pas des énoncés sont autre chose dans ce tissu particulier d'apparition de surgissement que sont les rêves. Donc c'est vraiment un attachement effectivement au processus mais à comment dire c'est moins à la cause du protexus en disant bah voilà ce qui va déclencher le rêve voilà ce que serait cette espèce de cause matérielle c'est pas très intéressant c'est plutôt la cause, d'une façon générale, due à l'organisation même du processus onirique. C'est tout à fait autre chose que de chercher pour tel rêve sa source, si vous préférez. Ce qui n'a pas, comment dire, ce qui n'a d'un point de vue matériel pas beaucoup d'intérêt. Ce qui peut en avoir. Par contre, une fois que c'est énoncé, pour la psyché du sujet, parce que la cause, ce sera évidemment celle, dans la tradition freudienne. Hein, euh, du traumatisme, ou en tout cas du fait historique euh, lié à la construction du sujet. Bon, je ne vais pas vous faire une... On va pas se faire une petite soirée psychanalyse ce soir, d'autant que pas forcément non plus ma passion, mais je comprends ce qui l'intéresse du Vigneault, dans ce bouquin particulier qui est l'interprétation des rêves, mais notamment parce que ce bouquin est une sorte de liquidation d'une tradition ésotérique multimillénaire. C'est un, un des objectifs de Freud à cette période, c'était aussi de nous débarrasser de quelques comportements superstitieux par rapport aux rêves chercher ailleurs. quoi. Alors, je connais comme tout le monde, façon de dire que si tu connais pas, t'es vraiment nul. Oui, c'est ça, on entend un peu ça comme ça, c'est assez vexant. Alors, tu es pas suffisamment capable de charité avec les marxistes pour les présenter honnêtement. Bah, c'est du propre, ça, Vector Spaces. Pourquoi il y, a, il, y a, il y a des tas de choses merveilleuses dans le marxisme, quand même. Moi, je me pense plutôt comme... Ouais, quand même, il y a un gros socle marxiste chez moi. Bon, alors, évidemment, ça doit biaiser toutes mes lectures <laughs> et ça m'inclinera forcément à dire il y a des choses merveilleuses chez les marxistes. Écoutez-moi. Pardon. Euh, je vais essayer de me recentrer. Il me parut alors nécessaire pour comprendre la création de tenter de revenir aux choses mêmes, c'est-à-dire à cette pratique de la création, laquelle ne se confond jamais. Avec ce qu'un auteur pense ou dit de ce qu'il fait, mais correspond à ce que désigne la forme qui se constitue à travers un artiste dans la trame de l'existence collective. On la réfète. Comprendre la création, revenir aux choses mêmes, revenir donc à cette pratique de la création. qui ne se confond pas hein, avec ce qu'un auteur pense ou dit de ce qu'il fait, mais correspond à ce que désigne la forme qui se constitue à travers un artiste dans la trame de l'existence collective. Donc la forme qui se constitue à travers un artiste, c'est, on pourrait dire, l'effectuation dans un processus singulier, tel artiste produit une forme qui va se manifester dans un cadre collectif, c'est son devenir. C'est d'ailleurs une chose étrange, parce qu'il y a entre la socialité réelle des œuvres d'art, c'est-à-dire la solitude de l'atelier, et euh, l'horizon social des œuvres, c'est-à-dire effectivement leur apparition dans un cadre collectif, il y a une sorte d'étrange, sinon contradiction au minimum, une parallaxe. C'est quoi cette haine des marxistes, c'est vrai Marxiste, c'est dans la Bible. Oui. Euh, Excusez-moi, je viens d'avoir un petit bug. Euh, comme je vous ai dit, il risque d'y avoir quelques-uns ce soir. Notamment parce que mon ami s'appelle Marc. Euh, ça plaît, pardon, dois-je dire. Donc, revenir aux choses mêmes. Donc, la pratique de la création, qui est vraiment un questionnement intéressant, euh, en tout cas dans de, de, de cette perspective. Puisque c'est à la fois se demander quelles sont les conditions qui entourent l'apparition de cette forme et évidemment quel est le processus d'expansion de cette forme qu'on va appeler son devenir social dans l'existence collective. Quoi. Okay Il me semblait en effet que les explications proposées par le discours critique Considéré comme allant de soi, ou du moins ne posant aucun problème, le lieu d'émergence de l'imaginaire dans le tissu des relations humaines. Alors là, du coup, comme je suis dans le brouillard, je, euh, je viens de vous lire une phrase que je n'ai pas entendue. <laughs> Quel con. Je <laughs> suis vraiment désolé. Euh, il me semblait en effet que les explications proposées par le discours critique considéraient comme allant de soi, ou du moins ne posant aucun problème, le lieu d'émergence de l'imaginaire dans le tissu des relations humaines. La naissance à chaque fois inopinée de la fiction, le travail de la métaphore au milieu des codes établis par les diverses cultures, pose ici des questions sur lesquelles la critique ne s'est jamais questionnée. Donc voilà, il voit les limites de ces discours critiques à cause de l'évidence inévidente de la lecture de ces formes en dehors de leurs formes. Une fois que vous vous êtes posé la question, c'est bien joli euh, de euh, tout ce par quoi euh, la parallaxe, le, le fait que ce qu'on appelle la parallaxe en optique, c'est tu sais, en un appareil, un appareil photo, quand il y a de la parallaxe, c'est quand entre ce que tu regardes par l'objectif et ce que va capturer l'appareil, comme ton œil. Si ton appareil n'est pas un réflexe, donc s'il ne soulève pas tu vois, un jeu de miroir pour que tu sois vraiment dans l'axe de ta photographie, si ton viseur est en haut à gauche, par exemple, eh bien, il y aura un décalage euh, entre ta photo qui va être déplacée en bas à droite par rapport à ce que tu regardais et la photo que tu vas prendre. On appelle ça une parallaxe. C'est-à-dire qu'il y a une différence, un écart entre ce que tu vises et ce que tu obtiens, tu vois donc, euh, voilà, ce que, cette parallaxe, d'un point de vue métaphorique, on voit bien comment ça, ça peut se, se, se construire, se, se constituer. C'est-à-dire, le fait de poser son regard pas tout à fait euh, sur l'objet qu'on est en train d'étudier, en croyant être en train de le faire. En fait, en posant son regard un petit peu à côté. Donc, oui, euh, la question que pose l'union elle, elle est centrale. C'est que, qu'est-ce qu'on qu qu questionne quand on questionne une œuvre d'art comme dépositrice d'une espèce de série purement de sens, organisation de sens, qu'est-ce qu'on entend d'une œuvre d'art quand on interroge sa présence au monde uniquement dans les relations, dans les conditions d'existence sociale que l'ont vu naître ah oui, à tel moment, dans telle région, on fait apparaître des retables, ta, 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 on sculpte des retables en bois euh, dans le Brabant euh, à partir de, du 15e jusqu'au début du 17e. Ta, 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 ta. Alors, bon, vous allez faire votre petite série, vous allez bien comprendre que sur tel tableau, à cette période-là, si on fait les vêtements de cette manière, c'est parce qu'on contextualise la représentation biblique dans le siècle euh, depuis lequel on l'est peint, bon, 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 la belle affaire, vous pouvez donner la date, vous pouvez dire oui, il a participé à tel atelier, mais. Certes, vous pouvez établir les conditions de naissance par la nécessité. Vous pouvez dire, ah oui, ce tableau a été commandé, là on a le commanditaire, il est en bas à droite, on sait très bien qui c'est qu'il voulait. Mais ce que vous ne savez pas, c'est cette forme même. Qu'est-ce qu'il a. Fait naître hein. quelle série de conditions, en dehors de toutes ces questions, qui sont juste des questions que je qu'on résout par une conversation. Euh, dire que l'ange rentre en salutation euh, devant Marie, euh, qu'elle ne le voit pas, qu'elle le reçoit comme un souffle, c'est une conversation. Mais ça ne donne pas les milliers de variations plastiques, chromatiques, etc., auxquelles vous allez être confronté si vous allez traverser les musées. C'est un autre problème, vous comprenez. Et, uh, il y a plein d'autres choses qui vont s'y ajouter. Et à mesure que vous allez rentrer dans le détail historique de la création des œuvres, vous allez même perdre uh, de plus en plus la certitude des conditions d'apparition elles-mêmes, parce qu'elles sont plus floues qu'on l'imagine. Alors, qu'est-ce que tu dis C'est quel article ou euh, livre Divigneau sur l'anomie Le livre s'appelle L'anomie. Voilà. Tout simplement. L'anomie. Hérésie et sub subversion. On se le dira en entier, je pense. Ça, ça va être vraiment pas mal. été publié par Anthropos, comme le dit Glitch, en 73, effectivement. Euh, donc, quoi d'autre Le travail de la métaphore, il apparaît comme irrégularité, par exemple, dans des cadres d'organisation euh, des énoncés, à un moment M. Et il ne fait pas que répondre à ce moment. Il est pris dans quelque chose d'assez vaste et insaisissable, où euh, s'articulent des désirs singuliers, euh, des relations, des relations à d'autres gens, à d'autres mouvements, à, euh, à d'autres interrogations sur lesquelles on ne peut pas mettre le doigt. Et ce qu'on aimerait bien comprendre aussi, c'est euh, la puissance transformante de ces œuvres et le fait qu'elles les maintiennent sur nous-mêmes doit sans doute quelque chose à, aux conditions singulières, uniques et euh, non reconductibles qui ont justifié la forme qu'elles ont prise à ce moment-là, et euh, forme dont aucune des analyses dont nous parlons ne saura répondre à part entière, Elle ne fera, je dirais que toutes ces analyses réunies, l'une sociologique, l'autre historique, l'autre économique, ne feront qu'effleurer. Le, euh, les conditions d'apparition réelle de cette œuvre et euh, ne feront que se bercer de l'illusion qu'on va épuiser quelque chose en elle. C'est le contraire. Hein. Hein, C'est à partir de, de ce socle-là que l'aventure commence, on pourrait dire. C'est peut-être en examinant la relativité du fait théâtral dans les types de sociétés différentes entre elles. En prenant pour ainsi dire le, le déroulement chronologique ou évolutif à rebrousse poil, que je constatais ceci. Les grandes périodes de création dramatique sont toutes contemporaines, d'une rupture établie dans la durée par le changement d'un type de société et l'apparition d'un nouveau. Une rupture établie dans la durée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est éprouvé comme une cassure. Il n'est pas en train de nous parler d'une déclaration de guerre. Hein. Il parle d'une transformation. Euh, une transformation en rupture. Donc, où une société, d'une certaine manière, va contredire ou, euh, ou dévier largement de son état antérieur. Et l'apparition d'un nouveau. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'il entend par le nouveau. On trouve les premiers éléments de cette analyse dans. La sociologie du théâtre, donc ça, ça a été réédité en 1973 sous un titre qui est Les ombres collectives, et plus systématiquement dans La sociologie de l'art, donc deux bouquins de Juvignon. Sociologie de l'art, on pouvait toujours trouver ça chez Puff. Elle ne vise pas seulement à affirmer la relativité de l'imaginaire selon les structures dans lesquelles il émerge, à écarter la trop fréquente et mystificatrice image d'une essence de l'art, divinisation grossie d'un prétendu pouvoir charismatique du créateur, et fondement de toute psychologie ou métaphysique de l'art. On a bien vu déjà ensemble à quel point euh, c'est euh, inutilisable. Parce que, voilà, bon, c'est un truc qu'on comprend bien évidemment euh, ensemble quand on lit Adorno, mais euh, en dehors du problème que poserait l'essence de l'art dans une lecture, euh, comment on pourrait dire, juste euh, ontologisante, euh, elle est rentre en parfaite contradiction avec le fait que l'art ne connaît pas des définitions fixes. Voilà, ça c'est clair. L'art est une zone de l'activité humaine, ou une série de zones de l'activité humaine que l'on assemble ensemble sans vraiment savoir pourquoi. On pourrait dire qu'on les assemble parce qu'on a cru à la transcendance d'une essence de l'art. Parce qu'en soit assembler des faits, des faits sonores, des faits plastiques, des faits dénoncés de récits ensemble, c'est tout sauf une évidence et appeler tout ça art. Hein. Mais y avoir assez cru ne rend pas moins euh, vrai le fait que chaque décennie, chaque année, chaque œuvre, je devrais dire, vient repenser la définition générale de l'art dans lequel on avait pu jusque-là. Observer les, art, les, les œuvres précédentes. Donc, aucune œuvre n'est contenue comme potentialité. Euh, là, on est en pleine question de poésie, justement, comme potentialité dans les œuvres antérieures. Et euh, donc, il affirme la relativité de l'imaginaire selon les structures dans lesquelles euh, il émerge. Donc, oui, effectivement, euh, c'est. Intéressant aussi de voir que l'imaginaire n'est pas plus une espèce de catégorie transcendante que l'art. Euh, l'imaginaire étant une organisation euh, des énoncés. À, notamment, euh, il n'y a pas d'imaginaire, si vous voulez, qui ne souhaite associer à la possibilité de lui donner forme. Et l'univers des formes dans lesquelles se manifeste l'imaginaire, ben, il est historicisé, forcément. Vous ne pouvez pas tout imaginer à tout moment de l'histoire. Et ce n'est pas seulement parce que tout n'est pas imaginable d'un point de vue euh, du potentiel. Voilà, on peut, en gros, on ne peut pas penser à ça parce que ceci n'existe pas encore, tatatata. Tata. Non. N'est pas imaginable aussi parce que n'est pas désirable. Et on en parlait en termes de technique avec Gaël euh, il n'y a pas longtemps. Euh, a, les techniques émergent quand il y a un désir social de les voir émerger. Pas seulement parce que c'est possible de les fabriquer. Il y a des choses qu'il est possible de fabriquer pendant des siècles et qu'on ne fabrique pas parce que personne n'en a le désir. Ça n'apparaît pas, ça n'est pas demandé, il n'y a aucune sollicitation. Et à contrario, il y a des choses qu'on ne sait pas fabriquer, mais on s'obstine à fabriquer des approximations parce qu'il y a un désir social de ceci ou de cela, de telle ou telle activité. Donc on fabrique des machines, euh, on met en marche l'imaginaire technique avec des approximations pendant des décennies. Et jusqu'à ce qu'on finisse par trouver enfin la solution technique adaptée qui permettrait de faire ça mieux et plus simplement. Donc, les imaginaires sont très liés à des conditions, des structures d'émergence particulières. Alors, donc, cette euh, sociologie du théâtre et de l'art aboutit à un constat. Donc, les périodes de rupture. Ou de passage d'un type de société à l'autre, entraîne des manifestations de déviance, donc là on commence à approcher lentement la question de l'anomie, hein, et de désordre qui ne peuvent être intégrés ou comprises ni par le système culturel de la société ancienne, ni souvent par le système des valeurs de la société naissante. Donc ça c'est intéressant. Alors moi je laisse de côté l'idée qu'il existe des choses qui s'appelleraient des périodes de rupture. Je veux, là, il parle de passage d'un type de société à l'autre. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de comprendre ce que ça veut dire, ces fondus enchaînés sociaux. Je n'ai pas d'imagination pour ça. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Disons tout simplement qu'on va laisser le temps se dérouler et on va accepter l'idée d'apparition, de manifestation de déviance et de désordre, d'anomie, si vous voulez. Et voir ce qu'il en dit, qui est vachement intéressant, c'est que elles ne peuvent être intégrées ou comprises ni par le système culturel de la société ancienne, ni souvent par le système des valeurs de la société naissante. Ça veut dire que d'une certaine manière, on ne peut pas trouver dans les états antérieurs d'une société le matériel analytique, rationalisable, euh, computable, euh, ordonné, euh, comptable, qu'est-ce que je pourrais dire, on ne trouve pas la séquence de du devenir dans le passé. On ne trouve pas. Enfin, on est en train de parler de l'apparition des œuvres, de hein, l'émergence des œuvres anonymes, à, à, anomiques, et les manifestations de déviance et de désordre. On ne sait pas trouver juste dans euh, le territoire. Préalable, tout ce qui pourrait laisser imaginer ce qui va les, les formes naissantes dont nous sommes en train de parler. Et mieux encore, évidemment, elles apparaissent le plus souvent dans des systèmes de valeurs qui ne les rendent pas non plus compatibles avec elles. Il y a toujours un, ou presque toujours, dans les manifestations politiques, intellectuelles, artistiques de la déviance, une incompatibilité avec leur siècle d'apparition. Et pourtant, on est d'accord les créatures humaines qui les produisent ne sont pas des extraterrestres. Ça veut dire qu'ils sont censés avoir une origine historique et une participation sociale qui obéit aux règles analysables par, entre autres choses, la sociologie. Donc il y a quelque chose là-dedans qui nous échappe. J'espère que je suis clair. Je suis désolé hein, si je ne suis pas clair. Là, nous retrouvons l'analyse de Durkheim sur laquelle je reviens plus loin. L'important pour moi fut de constater que durant certaines périodes de crise, des faits de novation, des frictions, des comportements imaginaires, représentent tant au niveau des groupes qu'au niveau des individus une force qu'on peut, si on veut, nommer le désir infini, mais dont l'apparition détruit. Euh, les classifications anciennes, admises et reconnues, et anticipent largement sur l'expérience acquise en proposant sous l'aspect de la fiction des suggestions ou des incitations jusque-là inconnues. Je vous la refais. On constate que durant certaines périodes de crise, des faits de novation, des frictions, donc des, des productions, si vous voulez, humaines, euh, ressortissant au, doma euh, au domaine de l'imaginaire, des comportements imaginaires, représente tant au niveau des groupes qu'au niveau des individus. Donc ce n'est pas forcément une, une aventure, j'irais dire, recentrée sur le sujet seul, en n'oubliant pas de toute façon que les œuvres sont aussi produites par des super-sujets, c'est-à-dire euh, un sujet, ou plutôt, vas-y, a les choses autrement, ce pas des super-sujets. Le sujet n'est pas une composition sociale qui exige d'y être seul. Voilà, en gros, euh, je vais vous dire les choses très connement. Euh, je suis le sujet Laurent, Agnès m'accompagne et le sujet Agnès. Et notre couple est un troisième sujet qui n'a ni la réalité sociale, comportementale, politique et poétique de l'un, ni celle de l'autre. C'est autre chose, c'est un autre sujet. Et euh, de la même manière, quand je m'assemble à deux, trois camarades pour fabriquer des tables euh, dans une, à la menuiserie, nous formons un sujet. Voilà. et un sujet qui, a, qu pourrait, enfin, qui peut être un sujet créateur, évidemment. Donc euh, l'artiste, ce n'est pas forcément une figure solitaire. C'est important de, de garder ça en tête quand même. Alors, donc une force qu'on peut, si on veut, nommer le désir infini. Au sens littéral, euh, ni fini ni finissable. On pourrait dire que ça ressemble plus ou moins aux aspirations. Donc ça va pour vous, je suis très content. Ah bah parfait, ça me fait plaisir. Euh, Qu'est-ce que je vais dire oui, ni finissable, ça se superpose plus ou moins à ce qu'on pourrait appeler ce que la vision. Enfin, quand Deleuze parle de la vision artistique, moi, c'est ce que j'entends. Euh, on ne sait pas le fait que le désir soit lacunaire, comme on, il est décrit euh, toujours dans la psychanalyse, comme s'il y avait toujours à l'intérieur du désir un truc euh, qui porterait en lui l'insatisfaction. Non, non, c'est pas le vrai. Je pense que c'est le contraire. Je pense que la pratique artistique est, est de la pure satisfaction continue qui n'est pas angoissée par son infinition, son indéfinition. Ça n'est pas un problème. Voilà, le fait que ce soit ni fini ni finissable, ça n'a rien à voir avec le manque psychanalytique dans le désir. J'aimerais bien que, que ce soit clair pour vous. que qu'il n'y ait pas de mal-donne là-dessus. Une force qu'on peut, si on veut, nommer le désir infini, mais dont l'apparition détruit des classifications anciennes admises et reconnues. Et anticipe largement sur l'expérience acquise en proposant, sous l'aspect de la fiction, ou d'autres chose, enfin n'importe quelle heure, mais on peut dire que généralement il s'agit de fiction, puisqu'on est dans un, un renversement de l'énoncé général qu'est la société elle-même, finalement. Donc euh, toute œuvre d'art fictionne le présent. Des suggestions ou des incitations jusque-là inconnues. Voilà. Donc, il repose visiblement, allusion furtive à l'angoisse, séminaire. Mais c'est très bien. Hein, je, je... Oui, oui, c'est très furtif. Et puis, c'est ce n'est pas un désaveu complet de l'intérêt que, que je porte à ces, euh, euh, ces égrés... séminaires de Lacan sur l'angoisse, qui sont globalement les plus chouettes séminaires. Donc je vais pas cracher dans la soupe non plus. <laughs> Mais oui, c'est une vision très lacanienne. Évidemment. Mais j'ai tendance. Euh, alors, quand je parle de psychanalyse, souvent, hein, même si j'ai été un gros lecteur de Freud, euh, pour plein de raisons, bon, c'est loin tout ça, petit hein. plein de trous. Hein. Mais pour moi, le, effectivement, aujourd'hui, quand je pense psychanalyse, je pense plutôt Lacan, c'est sûr. C'est plutôt de ça. Enfin, c'est avec ça que je pense, quand je pense des trucs. <laughs> ça fait partie, en tout cas, des, des zones. Euh, de mon intérêt pour la pensée. Voilà. Ça ne veut pas dire que je sois obédient. Hein. Moi, j'ai jamais été en analyse, je n'en ai pas la moindre intention. Euh, je crois pas spécialement dans les pouvoirs curatifs de l'analyse, ou alors, à mon avis, pour de très rares sujets. À mon avis, ça ne concerne pas grand monde. Par contre, euh, j'ai une sympathie réelle pour euh, les ouvertures considérables sur la compréhension du psychisme que nous a offertes. La psychanalyse, quoi qu'on dise, les euh, neuros et leur manque désespérant d'imagination théorique, les pauvres. Mais je pense que ça, on en reparlera avec Gaël quand on abordera Socal et Bricmont par exemple, les ânes battés, euh, <laughs> cultifiés, mausoléifiés. Euh. Alors, reparlons donc des incitations, des suggestions jusque-là inconnues. Plusieurs éléments entrent donc en composition. Système des valeurs établies et reconnu, servant à la conservation de la société et à la sécurisation des individus. Donc ces systèmes des valeurs établies et reconnus qui servent à la conservation de la société, euh, on peut dire que c'est vraiment tout ce qui construit. Ben, salut à toi maman, passe une bonne nuit, à bientôt. C'est euh, tout ce qui veut dire que tu as tenu longtemps. <laughs> Est-ce que ça veut dire que jusque-là, tu t'es pas ennuyé pendant deux heures bon, allez, Tu triches, je parie que tu es en train de faire des tas d'autres trucs passionnants, mais c'est très gentil d'être passé. Ça me fait plaisir. Et puis je vois que tu as réussi, sans difficulté, contrairement à ce que tu pensais, à intervenir dans le chat. Tu t'inquiétais de cette possibilité technique, tu vois, ça marche très très bien. Allez, bonne nuit. Euh... Donc, qu'est-ce que je disais donc, les éléments qui rentrent en composition, on pourrait dire ce qui assure la stabilité du système, ses normes, ses valeurs, ses règles. Voilà, en gros. Rupture dans la durée, lente ou rapide. Donc, quelque chose qui advient comme transformation dans la durée. Donc, c'est une manière plus intéressante de parler des sociétés que de parler d'histoire qui nous poserait problème en rajoutant effectivement un concept plutôt embarrassant à cet endroit-là. Est-ce euh... que je serai là quand vous. Parlerai de psychanalyse. C'est quand vous parlerez de psychanalyse euh, C'est le prochain chapitre des gardiens. La psychanalyse Non, mais ça, c'est. Euh, ce Socalibriquement, on va beaucoup en parler. Donc, forcément, on parlera du lacanisme à un moment, puisque parmi les charges de ces deux Olibrius, il y avait euh, euh, la fumisterie et psychanalytique, ta -ta -ti, ta -ta -ta, etc. Alors, donc rupture dans la durée de l'entour rapide. Donc il, il fait la série de tous les éléments qui sont en place hein, pour euh, aborder donc, cette espèce de coup de force dont il parle. Pratiques imaginaires non explicitées par le système antérieur des classifications. Donc ça, ça veut dire aussi... Qu'est-ce que c'est une pratique imaginaire C'est intéressant parce qu'une pratique imaginaire, c'est à la fois une pratique imaginaire et une pratique imaginante. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'elle est au service d'une fictionnalisation du présent qu'on va appeler justement création. Et euh, elle est imaginante parce que comme processus, elle-même, elle est affectée par l'imaginaire, c'est-à-dire tout ce que vous mettez en branle, comme on va dire... Matériel, technique, euh, processus de création, euh, organisation de l'espace de travail, euh, euh, renversement des usages matériels, et donc questionnement aussi, par là même, du côté de l'imaginaire, de, euh, des valeurs. On parlait des valeurs établies et reconnues qui conservent la société, mais euh, d'une certaine manière, à l'intérieur de la société, celle qui produit des œuvres d'art a également ces valeurs établies et reconnues. Ah, il y a les, les fameux savoir-faire et ces savoir-faire on sait bien qu'à l'intérieur de la vie des œuvres elles, elles ont ils ont prétention à produire de la valeur aussi puisqu'ils sont souvent en tout cas par les esprits conservateurs, la question de la valeur de l'organisation du travail artistique lui-même, avec toute sa série de règles, avec son organisation, avec ses usages, avec sa vision très ordonnée, par exemple pendant des siècles, de ce qui était de la grande ou de la petite peinture, les grands ou les petits sujets, etc. Euh, l'organisation technique, on comprend bien qu'elle n'est pas dépositrice, elle n'est pas garante que de la technicité. Elle prétend garantir aussi de la valeur artistique au résultat. Donc il y a un double coup de force quand on parle de l'irruption de la création, c'est la dérégulation des normes sociales et aussi la dérégulation à l'intérieur de cette norme sociale, de ce pli implicite qu'est bah, la, la production des œuvres avec son cadre de référence, avec ses usages, etc. Alors, hein, tu seras Lacan, ah mais oui, très très drôle. Pas de scientiste sans attaque de la psychanalyse. Mais oui, c'est ça. Ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Donc on peut être complètement aveugle euh, au caractère euh, euh, largement sous-grenu euh, de l'évopsie. Ça, ça, ça passe crème. Parce que tout le vocabulaire qui accompagne ce, ces tissus d'approximation vaseuse fait partie. À de celui effectivement du scientiste donc tout va bien alors que l'incroyable bavardage bordélique chaotique incompréhensible de Jacques Lacan alors ça, oh, 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 on se fout de notre gueule bah tiens bah tiens bah tiens ouais. là c'est ce qui s'appelle pour le coup se euh, payer de mots c'est-à-dire euh, faire reposer euh, sur l'organisation seule des énoncés euh, la, la qualité de ce qu'ils énoncent quoi ah, bon ce n'est pas pour ce soir. Alors, et quoi d'autre? Alors, pratique imaginaire non explicité par le système antérieur des classifications. On avait toutes sortes de séries hein, de systèmes antérieurs, c'est-à-dire l'organisation sociale, mais aussi, on pourrait dire, tout ce qui prépare euh, l'arrivée des nouvelles œuvres dans euh, le champ euh, des œuvres à venir. Dans, dans le champ des œuvres du passé, pardon, excusez-moi. Donc, il y a une espèce de, de double territoire à, à interroger. Irruption d'un désordre provoqué par ces pratiques prises en charge par un individu. Voilà. Un ou... On va dire un sujet, comme ça, on, on évite la question de l'individu, pour moi, puisque ça peut être plusieurs, euh, plusieurs euh, individus dans le sujet. Alors, l'évopsie, c'est scientifique. Ben oui. Il paraît, oui. Tentative de réaction d'un groupe ou d'une société... Tendant à éliminer ou à dissoudre cette subversion. Donc, il veut prendre en compte tout l'espèce de, de corpus d'événements de, qui entourent le jaillissement comme ça d'un fait anomique dans le, le monde des créations, quoi, de l'imaginaire. À savoir, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe pendant, et évidemment, qu'est-ce qui va se passer après, tentative de réaction d'un groupe ou d'une société tendant à éliminer ou à dissoudre cette subversion. Ou aujourd'hui on fait plus ça, on ne cherche pas à l'éliminer ou à voilà, la dissoudre, on cherche plutôt à en minimiser la puissance en faisant semblant de s'en accommoder très bien, ou mieux encore en faisant comme si justement elle faisait déjà partie du système des valeurs établies reconnues, ça va, ta comme si finalement on avait tout prévu socialement pour les voir apparaître. Ce qui ne veut pas dire évidemment, même si c'est prétendu que ce soit vrai. Donc ça, c'est des questions que se posent beaucoup d'artistes ou, ou même de sociologues sur la, la notion de récupération, qui est une notion assez piégeuse, puisque euh, elle instruit d'autres sortes de procès, notamment euh, celui de la marchandise. Donc on passe, on vient de glisser sur un autre rail quand on se pose euh, cette question-là, celle de la récupération, qui est, on pourrait dire, la fétichisation du signe. Alors, où oui, les gorilles des plaines femelles préfèrent jouer avec des casseroles et les mâles avec des camions jouets. C'est très scientifique. Exactement. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer avec ce truc J'ai hâte qu'on reprenne la suite avec, euh, avec Aurélie parce que c'était vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Je me demande d'ailleurs si on ne pourrait pas euh, passer un petit moment, un à, à certain moment, à écouter tout simplement un euh, évopsy, on vous libre, hein. et puis euh, on va se faire un petit react. Ce serait marrant. Donc un scientifique justement. On n'en manque pas. Il n'est pas lieu ici de se demander si le terme de culture est un terme valable ou un terme mystificateur. Donc, ça, c'est un truc sur lequel il est revenu dans un autre bouquin qui s'appelle Le langage perdu, euh, également en 73. Il l'a écrit comme un fou en 73, hein, du vidéo. C'est un grand fou, un grand malade. Alors, bien sûr, on doit déduire que les êtres humains, c'est exactement pareil. Pareil que quoi On ne sait plus trop à ce stade. Web, web, web. Mais il faut constater que l'extrême cohésion des systèmes de classification tels qu'ils se transmettent ou prétendent se transmettre d'une génération ancienne à une génération plus jeune afin que la société se conserve tend à réagir négativement contre la novation. Aucune société n'est ainsi capable d'accepter un grand nombre de faits anomiques sauf à les neutraliser. Donc ça c'est on pourrait dire que c'est la règle de l'irrégularité. Elle ne peut pas euh, surgir trop souvent sans représenter, euh, pour le cadre où elle apparaît, une sorte de menace. Ce n'est pas tant une menace, pour son ordre, parce que je crois que, au fond, rien ne menace vraiment les sociétés. Elles sont. Euh, la, la puissance structurelle, institutionnelle, coercitive des sociétés est telle. Qu'en vérité, elles n'ont pas grand-chose à craindre des faits anomiques. Mais ce qu'elles craignent par-dessus tout, c'est que leur légitimité et leur autorité ne soient pas inlassablement vérifiées par le discours qui en est fait. Et en tant que ce discours, c'est important de garder ça en tête, réaffirme sa naturalité. Une société ne se satisfait pas d'être fonctionnelle autoritairement, quelle qu'elle soit il faut qu'elle apparaisse comme une évidence pour ce qu'elle prétend être, à savoir la meilleure organisation possible. Donc une organisation qui n'a pas besoin de faits d'apparition, de faits anomiques, de... elle n'a pas besoin des irrégularités. -ce que... Rien ne justifie l'apparition de ces irrégularités. Chacune de ces irrégularités tendrait à laisser imaginer qu'il existe d'autres formes. Et ça, vous voyez, mais c'est tout à fait un autre problème qu'un danger quelconque qui reposerait sur une société. C'est un problème qui repose sur, je dirais, l'image qu'une société donne d'elle à l'intérieur d'elle, de façon continue. Elle est à la fois une société et le territoire strictement superposable du discours sur elle. Et euh, c'est un discours évidemment autoritaire. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites On a peur des araignées parce que nos ancêtres devaient se méfier des prédateurs. C'est une citation, ça s'use. Hein euh, L'araignée à dents de sabre, oui. <laughs> J'imagine bien. Ça vous fait kiffer quand même, les vosps. Je sens bien que ça vous plaît. Je sens que c'est un truc qui vous amuse beaucoup. Mais euh, on, on s'amusera ensemble ces conneries euh, d'ici peu, promis. Parce que euh, parce qu'il faut qu'on continue le travail de toute façon. Puis ça, ça ne suffit pas de s'amuser. Il y a un moment, euh, il faut aussi qu'on qu'on avance dans le travail, qu'on fasse ça un peu sérieusement. Ça ne suffit pas de, de ricaner narquoisement comme des idiots. Enfin, il faut travailler. Non. Donc, jaillissement des faits anomiques dans une société. Aucune société n'est capable d'accepter un grand nombre de faits anomiques, sauf à les neutraliser. Dans toutes les sociétés humaines, les hérétiques sont condamnés ou assimilés. Après, bon, les processus d'assimilation peuvent être divers on peut au fond considérer que le déni de nouveauté est une, un des systèmes les plus efficaces contemporains de l'assimilation alors c'est avec cette théorie là que tu as découvert les bobsis ah d'accord 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 avec la théorie de la reine... Donc, les hérétiques sont condamnés ou assimilés. Il en va ainsi pour la folie, telle que la décrit Foucault. Donc, je suppose que vous connaissez tous l'histoire de la, la folie à l'âge classique, un des ouvrages majeurs de Foucault. La création imaginaire, différente de la folie, en son principe même, ne l'est pas par les effets qu'elle entraîne. Alors, ça, c'est des choses hyper intéressantes parce que. Je vous, on va, on va aller un petit peu dans des, de l'anecdote, mais des fois les anecdotes éclairent des trucs. Il y a deux anecdotes qui m'intéressent dans ces relations à la question de la folie et à la question de la création. Alors, il y a plein de choses hein, qui lient folie et création, notamment parce que euh, parce que euh, il y a il y a un lien, je dirais, euh, d'amour entre les dix fous. Et la création qui euh, s'historicise, qui peut se raconter, qui peut se décrire, qui peut aussi euh, s'expliquer. Et notamment, tout simplement, parce que la place que l'on fait à l'art euh, dans la société est une des rares places que puisse occuper le fou sans y être disqualifié, déjà. Euh, mais, peut-être parce qu'elle est considérée également... Pour une large part, comme une activité dite folle. Donc là, on rejoint les imaginaires sur, euh, je dirais, ces, ces deux aspects de la, la composition humaine, composition psychique et composition euh, euh, créatrice, évidemment. Mais dans les, ce que je vais vous dire, il y a un truc qui, qui doit être entendu, qui est vraiment important c'est que la question de la norme sociale. Alors, elle a une espèce de super sujet, on pourrait dire, un peu transcendantalisant. C'est les normes qui sont complètement édictées, les lois, les vraies règles de vie, etc. Mais il y a des tas de plis de recomposition qui sont les sociétés que nous nous fabriquons dans la société. Et là, la perception de la dite folie, comme un fait redoutable, dangereux, inquiétant, ou au contraire, comme un fait invisible, ordinaire, dépend énormément des cadres de vie dans lesquels c'est pris. Ça a été vrai historiquement, c'est-à-dire qu'on euh, a pu pendant des siècles euh, prendre tel ou tel comportement d'une telle ou d'un tel comme du mysticisme ou comme euh, de la révélation, etc., là où aujourd'hui on enferme les mêmes personnes, pour les mêmes relations au monde. C'est-à-dire que la construction sociale tout autour a bougé et des faits anomiques de tel ou tel ordre ont changé de place dans l'interprétation sociale qui en est faite. Et de la même manière, euh, un certain nombre d'activités qui vont vous pénaliser dans un certain cadre social vont être perçues ailleurs comme tout à fait gérables, voire ne posant pas de problème, en d'autres termes. Vos chances de bien survivre à la société si vous êtes considéré comme fou ou folle, si vous avez un horizon psychiatrisé, vos chances seront plus grandes de ne pas sombrer vraiment et de, ne pas, de, de, de souffrir moins si votre entourage, par exemple, est un en entourage qui a une toute autre relation, une relation non normative, par exemple, à certains types de comportements. Si vous portez tel ou tel euh, type de vêtements euh, n'importe comment en ayant un comportement qui apparaîtra fantasque ici, et qui vous lésera, qui vous euh, coûtera cher dans certaines sociétés, les mêmes façons de vous habiller ou de vous comporter ou de vous parler dans un cadre social bienveillant à l'égard de, euh, de tous les choix possibles de vie, il que non seulement vous ne serez pas perçu comme fou ou folle par votre entourage, mais simplement que quelqu'un qui a ses habitudes, ses manies, qu'on ne questionnera pas, mais du coup, vous ne développerez pas des poches de souffrance. Et euh, il y a toutes les chances pour que. D'une certaine manière, vous ne sombriez pas, effectivement, dans la souffrance psychique qu'est la folie. Euh, je vais ajouter à ça une anecdote qui, qui va éclairer ça. C'est vraiment euh, un, un truc pas inintéressant. C'est euh... un peintre que, qui n'est pas forcément très passionnant. Peut-être que j'ai déjà raconté euh, cette anecdote, mais je pense qu'elle va vous intéresser si vous ne la connaissez pas. Euh, Gérard Garoux, donc ce n'est pas un type euh, tout à fait pas vraiment passionnant, on s'en fout, c'est pas un peintre très très passionnant, mais il raconte cette anecdote qui est assez jolie. Il vivait donc dans, dans le sud de la France, je crois que c'est pas loin de Nice, euh, et euh, dans, le, dans ce coin, du, du, dans le village duquel il vient, il y avait un brave homme qui euh, était fasciné par euh, l'aluminium. Il entourait euh, tout d'aluminium. Il, il entourait euh, sa table de travail, il avait peint ses bottes en aluminium. Il, chez lui, il y avait de l'aluminium partout, et évidemment, dans le village, il était moqué. On se foutait de lui. C'était euh, le fou et l'aluminium, quoi. Le, le mec avec sa manie d'aluminium, euh, il faisait rire à tout le monde et, et il avait honte, évidemment. Il avait honte ce qu'il n'était pas bien traité par son entourage. Et euh, un jour, l'artiste Armand exposait pas très loin, euh, probablement à Nice. On... Pas très loin du village, dans la grande ville d'à côté, et euh, il allait prendre une pioule. Euh... Bonne nuit, patat! Il allait prendre une pioule dans un village pas très loin, et Armand, euh, donc artiste très célèbre. Connaissez ses œuvres, il fait partie du groupe Nouveau Réaliste. Vous voyez euh, ces espèces d'assemblages, découpages de, de pièces de toutes sortes, euh, les, les, les embouteillages d'objets de, euh, accumulés, des accumulations, euh, soit dans des boîtes euh, qui font des, des pièges à objets, à masques à gaz, à tout ce que vous voulez, soit euh, des euh, statues cisaillées en lamelles, euh, bref, armant quoi. Armand était un artiste très connu, très célèbre, très apprécié. Euh, dans le coin, on était fiers de voir le grand artiste Armand passer pas loin du village, puisqu'il dormait à l'hôtel pas loin, et de le voir débouler avec ses costumes extravagants dans sa cadille rose, euh, puisqu'il était collectionneur d'automobiles très cher. Et le jeune Gérard Garousse n'a pas pu s'empêcher de rapprocher cette extravagance, ce côté hyper visible, criard, bruyant. Euh, de cet homme qui était artiste et qui n'avait pas honte, de son petit bonhomme à l'aluminium qui lui avait honte. Et il en a déduit que la seule différence entre un artiste et euh, l'idiot du village ou le fou du village, c'était la honte. Ça peut vous sembler une analyse pas très remarquable, mais moi je la trouve extrêmement précieuse pour comprendre que même la folie est une notion extrêmement relative. Elle est, comme je vous l'ai dit, historique historiquement, mais elle l'est aussi évidemment socialement. Voilà, voilà, voilà. On continue. Donc, un lien entre création imaginaire différente de la folie, mais son principe et ses effets, voilà. Les effets qu'elle entraîne ne sont pas différents selon lui. Je suis assez d'accord. Comme, on va dire, comme puissance de déréalisation de la certitude sociale, ça peut produire des choses du même ordre. Et des fois, de l'inquiétude du même ordre. Quand Platon propose dans une fiction philosophique de la République que l'on chasse de la cité, c'est-à-dire la communauté instituée, tout individu qui ajouterait ou retrancherait une corde à la lyre dont la mélodie sans cesse répétée préside à la cérémonie sociale, donc, en gros, tout individu qui perturberait la belle harmonie sociale, puis que tout poète, tout novateur soit banni de cette communauté, il ne fait qu'interpréter cette angoisse des ensembles humains devant ce qui met en péril leur conservation et leur transmission aux plus jeunes. Alors, évidemment, c'est pas vraiment le. le... On ne va pas aborder ici la question de la conservation des sociétés par elles-mêmes et de savoir pourquoi prétendant reposer sur la perpétuation. Pour autant, nos sociétés, je dis bien les nôtres, en vérité, ne reposent que sur leur transformation, ce qui n'est pas un fait universel. Enfin, il y a des tas de sociétés qui sont semblables à elles-mêmes à travers les siècles. Elles marchent ni plus ni moins bien que les nôtres. Je dirais même que souvent elles marchent, mieux, mais ce n'est pas du tout le cas des nôtres. Donc euh, quand quelque chose est un trait aussi saillant d'une société au point d'en être une sorte de règle, il est peut-être question... Il est peut-être moment de questionner l'obstination que l'on a à la définir par son contraire. Hein, C'est-à-dire l'idée qu'une société reposerait sur de la conservation et la transmission des états antérieurs. C'est plutôt curieux. Et pourtant, cette espèce de vision euh, euh, comment, euh, crépusculaire, euh, angoissée de la novation, euh, elle, elle est tout le temps là. Quand vous lisez Pline l'Ancien, vous lisez des choses comme ça. Si je nous dis Platon gros réac quand même. Alors évidemment, c'est un anachronisme, mais on va dire ça comme ça. Oui, Platon gros réac quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais pas que. <laughs> c'est plus compliqué que ça. <laughs> bon, ça va pas être Platon ce soir. La philo, c'est le dimanche. Donc, euh, dimanche, philo avec Gabriel. Faut-il évoquer ici l'émergence des grandes éthiques qui, au contraire des morales, représentant les formes culturelles admises, ouvrent à des perspectives inconnues à l'action. Là, on revient en tout cas à, à, au même type d'opposition qu'on pouvait entendre tout à l'heure quand j'évoquais les endroits de friction qui peuvent exister au point d'angoisser hein, le sujet entre euh, les normes et les valeurs, qui peuvent rentrer en conflit parfois. Euh, les éthiques se fondent parfois. Sur des valeurs qui sont en parfaite contradiction avec les normes instituées dans les sociétés où ces éthiques apparaissent. Euh, cette euh, opposition peut être la raison même fondatrice des énoncés qui vont organiser ces éthiques. L'hérétique est là, c'est un exemple intéressant, hein. l'hérétique est là, c'est pour ça que le bouquin s'appelle Hérésie et subversion, dans ce frémissement qui L'attache à des relations nouvelles, des combinaisons non encore éprouvées. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur l'irrégularité que représente l'hérétique, parce que évidemment, euh, c'est pas si simple. Les, les, pour hérésie, les hérésies que je connais, donc évidemment les prises dans le cadre historique de euh, l'histoire du, du catholicisme, euh, l'hérésie et régulièrement, plutôt un tout petit pas de côté. Et euh, il s'en faut de peu, pour certaines d'entre elles, qu'elles ne soit doxales. Donc c'est pas ce que j'appellerais le jaillissement assuré de, de, du fait anomique. Quoi. Platon, air éthique, réac. Bonsoir, Drouac, ou Dr. Wack. Je ne sais jamais. On va dire Dr. Wack. La création imaginaire. Suscite souvent de semblables répressions, ou à tout le moins de l'incompréhension. Une nouvelle manière de voir le monde n'est jamais populaire, parce qu'elle déforme l'image toute faite et admise de ce que doit être la réalité. La vision du Gréco ou des peintres cubistes est subversive, comme le fut la musique de Wagner ou celle de Stravinsky comme le furent les personnages criminels du théâtre depuis oedipe jusqu'à tamerlan depuis Macbeth jusqu'à Wojciech. bon je suppose que oedipe et Macbeth, bon ça fait pas beaucoup de questions pour vous alors tamerlan c'est plus bizarre je sais pas s'il a été le, le comment le, le héros d'un de, 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 quelconque euh, comment euh, une quelconque pièce de théâtre moi je le connais comme chef de guerre turco mongol euh, euh, du 14 siècle qui était aussi un salut louisa qui était aussi protecteur des arts, mais je ne sais pas s'il a été l'objet de. Vous allez bien Salut Bestiaire, le respect Vespero et bienvenue à toi. Comme le furent les personnages en criminel du théâtre, depuis Oedipe jusqu'à Tamerlan, Macbeth jusqu'à Voljak et quand à Voljak, euh, comment C'est un. C'est une pièce de Puchner. Un Buchner, c'est un, un, un auteur assez fascinant. C'est marrant parce qu'on le tient pour un très grand auteur euh, important euh, allemand. Euh, alors qu'au fond, il n'a pas écrit grand-chose. Mais c'est un type important par la puissance, la qualité de ses œuvres. Je crois qu'il a dû écrire à trois pauvres pièces dans sa vie. Il doit y avoir euh, La mort de Danton, euh, Comment il y a évidemment Wojciech et un autre que j'oublie tout le temps. Euh, je ne sais plus. Et donc Voyager, ça raconte l'histoire d'un ancien soldat qui est devenu, je crois, perruquier ou quelque chose comme ça, qui est malmené, fauché, extrêmement hanté, et qui tue sa fiancée pour son infidélité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une petite figure au sens social qu'on aurait donnée à, à cette époque-là à un personnage, mais qui est traversée par l'immensité et le vertige de, de toutes les grandes passions humaines. C'est assez beau. Je vous conseille de lire Buchner. C'est vraiment, vraiment bien. Voilà. Donc, on est sur la question donc, de, de la difficulté qu'il y a à accommoder le jaillissement du fait anomique, donc le surgissement de quelque chose qui n'est pas préparé euh, par la société dans son état intérieur et euh, du fait que euh, elle engage généralement Répression ou au minimum incompréhension. Alors, Orphir, Tamerlan, il me semble que c'est chez Christopher Marlowe. Ah, d'accord. mais Je ne connais pas. Du tout, du tout, du tout. Je ne connais que le, la figure historique, tu vois, turco-mongole. Et encore, je n'en sais pas grand chose. Je sais ce que je vous en ai dit, c'est-à-dire trois fois rien. D'accord Salut, Orphir, donc. J'ai oublié de te dire bonsoir. Cette répression trouve en littérature et au théâtre sa forme à l'intérieur du langage humain. C'est-à-dire que le dramaturge ou l'écrivain punit et détruit lui-même le personnage auquel il a durant de longues pages ou durant deux heures conféré une fascinante séduction. Bossuet ne s'y trompait guère. Qui voyait là une des. Alors, Bossuet, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'était euh, au XVIIe siècle, l'évêque de Meaux. Euh, un type, euh, donc c'était anecdotiquement, enfin pour vous en tout cas, le précepteur du dauphin, un hein, fils du roi Louis XIV, on s'en bat les couilles, mais euh, il a écrit copieusement des sermons, des oraisons. Alors, il a écrit aussi une histoire universelle, euh, mon sang euh, enfin un discours sur l'histoire universelle, mais ses sermons et ses oraisons sont assez fascinants, plutôt chouettes. Je vous invite à lire ça, si vous n'avez jamais lu Bossuet, euh, c'est pas mal. Alors. Bossuet ne s'y trompait guère, qui voyait là une des raisons d'interdire le théâtre, toujours susceptible de troubler l'harmonie établie par le Créateur, bon, Dieu, hein, et de remettre en question la grâce d'État, qui nous place tous à un rang que nous ne pouvons pas quitter. Même puni et condamné par le Créateur lui-même, celui qui représente l'anomie reste dangereux et subversif. Vous voyez, la place du théâtre devient assez intéressante, c'est que le théâtre, à cause de sa position, qui, d'accord, c'est une position énonciative, mais elle est assez particulière, elle organise, on pourrait dire, la, la cérémonie des énoncés dans un espace qui est sécularisé. C'est le même espace corporel que celui des spectateurs. Donc, il y a un partage corporel. Euh, il y a donc une espèce d'assertion euh, des corps et de leur réalité, et de, la, de leur voix, Porteuse qui euh, leur fait prendre un caractère euh, qui ne peut pas se réfugier derrière la lecture silencieuse du roman euh, en tant que fait social. Ce qui veut dire que le fait anomique, l'irruption du fait anomique, l'irruption du fait transgressif, euh, ça n'est pas tant le, la pièce elle-même en tout cas jusqu'à un certain point, ce qui n'empêche pas que la pièce puisse avoir, euh, que la pièce de théâtre puisse être habitée par une capacité réformatrice, transformatrice euh, du langage euh, comme activité, et de la langue comme institution. Euh, le théâtre peut aussi faire ça. La pièce peut être largement aussi, euh, irruptive, éruptive, transformante, bizarroïde que ses personnages. Mais ce sur quoi ça fonctionne, surtout, c'est plutôt un certain retrait de l'organisation du discours derrière, un certain réalisme, une façon de faire parler des personnages crédibles, audibles, euh, pour qu'on passe discrètement, je dirais, sans l'effort de transaction avec la forme que toutes les autres œuvres d'art exigent de nous, des discours, des formules, des propositions. Et là, le créateur, la créatrice de théâtre, peut faire jaillir le fait anomique, non pas dans sa pièce elle-même, comme forme, mais évidemment, dans les énoncés portés par ces personnages. Alors, euh, tu savais pas que j'avais un jumeau Bah oui, j'ai ça. Mais de rien, Clint. Bah tu verras la suite, la suite plus tard. Euh... Alors, qu'est-ce que j'ai dit Là, ça y est, je me suis reperdu en, en moi-même. Excusez-moi. Je vous avais dit, hein, il y a des moments d'absence hein, un peu compliqués. Je bois une petite gorgée d'eau et euh, je vais chasser ça. Désolé. C'est compliqué. Parce que dans la durée, voyez-vous, ça devient plus vrai. Petit à petit, c'est en train de prendre corps. Voilà. Bon, je continue. Du moins, cette répression, incluse dans le langage littéraire même, prend-elle des formes diverses On la nomme destin, chez les Grecs, ou fatalité, chez certains modernes, le fatum. Lucas dit que le héros tragique meurt, il meurt de ce que, placé sous le regard de Dieu, il ne peut admettre de compromis avec le monde et se condamne lui-même. C'est-à-dire que le héros, sans doute bouffi d'orgueil, ne se reconnaît qu'un seul juge. Et un seul. Et il ne juge la société qui l'entoure qu'à l'aune de ce qu'il impute à ce juge. Ce qui veut dire que si une société qui l'entoure n'est pas à la hauteur de ce qu'elle imagine qu'elle doit à ce juge, Dieu alors le héros ne peut survivre à cette société. On devrait plutôt dire que c'est ce regard de Dieu qui tue le personnage, puisque ce Dieu n'est autre que la conscience commune, sublimée dans la conscience de l'auteur. Évidemment, en l'occurrence, oui, dès l'instant où on arrache au héros son existence propre, euh... évidemment. Si, si on cesse de regarder Agamemnon comme, comme un chef de guerre, mais juste comme un personnage de mer, alors on le déplace évidemment. C'est sans doute ce qu'il faut faire. Hein. La place de ce regard de Dieu, en tout cas sa valeur. Laclos, de Laclos, donc a écrit les Légions dangereuses, condamne Valmont et Merteuil. Comme Balzac tue Rubempré et Vautrin, ou Flaubert tue Madame Bovary. Comme l'a noté Bataille dans sa préface aux Justines de Sade. Alors Bataille, si vous ne le connaissez pas, je vous invite évidemment à, à le. Merci ma puce, gentil. Bataille, je vous invite à évidemment à le lire. Donc Georges, je dis Georges parce qu'il existe aussi un Michel Bataille qui n'a pas beaucoup, beaucoup d'intérêt. Euh, Georges Bataille est un écrivain et un penseur, un intellectuel, un essayiste extrêmement important, début du XXe siècle. Euh, Puisqu'on parlait de sociologie ce soir, il a assisté au cours de Koyev, au Collège de sociologie. On lui doit euh, des pensées assez fortes de la question du mal, de l'écriture, de l'érotisme, une culture assez vaste. Il a participé copieusement à la revue Documents, euh, capable d'aborder à peu près tous les sujets. Il était. Euh, capable de vous parler de numismatique, il a fait un essai d'économie assez fou qui s'appelle La part maudite, où il développe euh, la notion de potlatch, c'est-à-dire de dépense. La notion de dépense développée par, par Bataille est, est un outil in, important pour comprendre certains faits sociaux. Et sinon, ben, on l'est connu surtout pour ses récits euh, pornographiques et, au passage, pour la création de la société euh, Céphale, avec des gens comme Klosowski, qui était une société secrète basée Autour du sacrifice humain. Voilà, voilà, voilà. Bref, lisez Bataille. Et donc, c'était un grand spécialiste de Nietzsche et de Sade. Et il a fait une préface au Justine de Sade. Comme l'a noté Bataille dans sa préface au Justine de Sade, le langage, notre langage, parce qu'il représente la communauté culturelle établie, détourne la violence de son effet, la dissout dans le discours. Mais en même temps, il en rend la sollicitation plus forte, l'inquiétude plus frémissante. Et cela explique sans doute que la création ne s'arrête jamais, qu'elle renaisse de ses cendres. Alors quand il dit le langage notre langage représente la communauté culturelle établie, c'est parce que bon, dans les définitions qu'on peut faire, Alors, on sent bien qu'il y a une ambiguïté là, sur le terme de langage. Ça, ça parle plus ou moins quand même de l'institution langue, il me semble. Et euh, la langue a ceci de particulier, effectivement, qu'elle est, euh, est à double titre capable de représenter parce qu'à la fois, elle est immanente au sujet, c'est-à-dire que le sujet naît et s'accomplit dans la langue et la transforme, donc elle lui est immanente, mais elle est transcendante à la société, c'est-à-dire qu'elle charpente euh, son reflet euh, comment, euh, historique, social, patrimonial, la langue de tel pays, etc. Donc elle est immanente et transcendante à la fois euh, pour, euh, pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. D'accord donc elle a ce pouvoir de représentation surpuissant. Alors quand il, quand il dit bataille que ça détourne la violence de son effet et ça la dissout dans le discours, oui c'est à l'instant même évidemment où elle est énoncée, cette violence, elle devient une des fictions avec laquelle la société peut composer le recommencement infini de, de sa dramaturgie. Euh, les faits de violence qui la constituent ou qui, qui s'y sont opposés, deviennent des énoncés et en tant que tels, je veux dire, ils n'arrêtent pas de, de produire à l'infini à la fois les conditions de sa réapparition et de son effacement. Ils sont autre chose que les faits de violence, mais malgré tout, ils lui permettent de vivre au-delà de sa vraie durée, comme une espèce de, oui, de réactualisation infinie. Mais pour ça, il faut des actes de création, par contre. Une expérience directe sur le terrain, comme disent les anthropologues, va me donner une confirmation de ce double jeu de l'anomie et de cette dialectique vivante de l'imaginaire et de l'institué. Donc il, là, il décide de faire, de coupler, comme, alors ça ne veut pas dire qu'il les oppose. Je, quand même, on sent une espèce de ligne de fracture entre imaginaire et institut, dont il faudrait voir où celle-ci se situe. Au cours de plusieurs années d'enquête, dans un village du sud tunisien, Chebika, c'est le nom d'un des bouquins de Duvignon, de qui a été publié longtemps, longtemps avant. Euh, dans les, à la fin des années 60. Donc là, on est sur un bouquin de 73, un bouquin de 67 ou 68. Chebika c'est un des premiers livres de, de Duvignon. Attendez, des dit, dit j'ai sa, sa biblio. Donc. Son premier bouquin, c'est Durkheim, sa vie, son œuvre, hein, avec un exposé de sa philo. L'acteur, sociologie du comédien en 65. Sociologie de l'art, 67, sa sociologie de l'art. Et juste après, c'est Chebika Donc c'est euh, après qu'il fait les spectacles, les sociétés. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure. Qui est très chouette. Euh, chez Donc, j'ai eu l'occasion de constater combien ce fait d'anomie prend dans toutes les sociétés une importance d'autant plus grande qu'il est généralement effacé ou occulté. Donc, ça, ça fait partie justement des, je dirais, des réactions de ce corps institutionnel euh, qu'est la société ou des corps institutionnels qui sont pris dans la société. C'est également d'avoir une très faible tolérance à la notion d'extériorité. Les institutions ont tendance, pour se survivre dans l'image qu'elles proposent de leur durée, à ne pas pouvoir s'imaginer d'extériorité, à se croire assez ouverte, assez puissante, assez euh, comment dire, accueillante des idées et des corps, pour ne pas rendre nécessaire une extériorité, donc pour tout absorber, sans que ça fasse question. Si vous voulez comprendre l'exemple simple, euh, c'est le rôle que peut jouer par exemple l'insolence médiatique. Évidemment, personne ne peut être insolent sur un, le plateau d'un média, ça n'a aucun sens de croire une connerie pareille. Mais euh, il est nécessaire qu'il y ait une présence de l'insolence sur le plateau d'un média, parce que par cet effet, le média laisse supposer qu'il administre tout seul sa contradiction sans difficulté, qu'il sait faire, qu'il n'a pas besoin d'extériorité. Quant aux euh, euh, des institutions hein, artistiques, comme le marché de l'art par exemple, on voit dans les manifestations du discours sur lui-même qu'il ne s'imagine même pas d'extériorité. C'est-à-dire que tout ce qui n'entre pas en lui n'est pas production artistique. Euh, C'est un moyen commode de, de produire, pas seulement de la distinction, mais de l'auto-vérification continue. Chez Bika, donc. dans ce village oublié et dédaigné par les pouvoirs officiels placé déjà en somme dans une situation anomique par rapport à la situation commune du pays donc la tunisie hein. l'émergence de la société nouvelle disons d'un partage des profits de la décolonisation et des premiers progrès d'un difficile développement se manifeste à travers la radio l'enseignement du maître d'école venu de la ville les voyageurs ou les soldats voilà les, les faits de transformation dont parlait Duvignon. On en donne un exemple là. On sait que le nouveau monde est là, quelque part, qui ne ressemble ou ne veut ressembler ni au monde précolonial, ni au monde colonial. Du moins, cette nouveauté s'installe-t-elle avec l'administration Le visage national du pouvoir connote le changement une jeune fille, Rima, ait été troublée par cette novation suggérée, transmise, jamais vraiment perçue ni connue, voilà qui caractérise le fait d'anomie. Rima est une orpheline. Elle a été recueillie par des parents. Elle n'a que peu de droits et certainement aucun avenir. Elle apprend à lire au hasard dans les cahiers d'école de son cousin. En écoutant l'instituteur caché derrière une porte, en s'exerçant sur des bouts de journaux pris chez l'épicier. Quand on la questionne, elle donne une image fantasmatique de la ville inconnue et du monde qui existe là-bas, là-bas, très loin, vers le nord ou vers l'est. Vision onirique et fantastique. Des grandes avenues vides, des maisons basses qui sont celles qu'elle a vues à 12 heures mais démesurément agrandies. Des allées et venues, une agitation fringante, des cinémas une oisiveté féconde, délivrée du souci de manger ou de travailler. Elle veut aller vers la ville, elle s'informe. Nos enquêteuses l'interrogent, alors elle donne sa vision de la ville, mais elle révèle aussi sa décision de s'échapper, elle veut être une autre. Comment partir La steppe désertique, la distance, l'inconnu, la rigueur des mœurs, c'est une prison. Une femme comme elle ne peut aller en ville qu'en se mariant. Avec un travailleur décidé à chercher de l'embauche ou en devenant une putain. Mais elle ne sait pas ça. Elle veut juste partir, elle. Cette volonté la modifie. Les autres femmes ont pressenti ou découvert cette décision mal cachée. Parce qu'on peut, on peut supposer qu'elle a. C'est très compliqué de dissimuler quoi que ce soit dans une telle société. On imagine quand même une proximité des corps euh, qui ne rend pas simple. Euh, de cacher quelque chose comme un désir. Du moins, Rima ne respecte-t-elle plus les habitudes, les coutumes établies en normes. Elle ne marche plus dans le sacrifice des animaux marabouts, dans le respect du haut vieillard, dans le respect dû à l'islam. Elle se sent une disciple du leader Bourguiba, qui à cette époque s'est défini lui-même comme un prophète laïque et moderniste. Elle est seule. Le village l'aperçoit comme un corps étranger, vaguement hostile. C'est dire qu'il projette sur elle la connotation de la folie ou du dérangement mental. C'est un cliché de dire à quel point, comment dire, on a évoqué tout à l'heure hein, la proximité de destinée entre l'émergence des œuvres singulières artistiques et la place de la folie dans la société. On peut revenir ici aussi, on a donc forcément évoqué la... la, la l'articulation des normes et des valeurs hein, à ce moment-là. On voit bien aussi, de la même manière que je prenais cet exemple pour euh, les, les mystiques pendant un siècle euh, psychiatrisés au siècle suivant, ben là, produire un discours sur la folie, c'est moins dire quelque chose d'une position anomique que de, de juguler l'impuissance à en dire quoi que ce soit en réaffirmant, inlassablement, les normes sociales elles-mêmes. Elle ne s'appartient plus, un autre dieu, mauvais, les démons parlent en elle. Voilà le diagnostic en gros. Quoi. Mais bon, à la limite, euh, ça, ça c'est pas très différent, euh, la, la, la connotation la, euh, diabolique hein, d'un certain vocabulaire euh, psychiatrisant. Hein. Elle est un monstre dans la mesure où elle se sépare de tous, se détache des normes établies, postule implicitement par sa seule existence que la novation entraîne la dissolution des formes qui entretiennent la conservation du groupe, sa perpétuation. Pourtant, on peut le dire, l'émergence de la novation, ce n'est elle, pas grand-chose. Que menace-t-elle exactement Comme je vous le disais tout à l'heure, elle ne menace pas réellement la stabilité, la structure, la, la, la perpétuation de, de ce village, de son organisation. Évidemment pas. Elle est toute seule dans son slip. Sauf que, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est de la même manière qu'on peut se dire, mais pourquoi diable une puissance coercitive comme un état aussi forte, aussi capable de tout détruire sur son passage, de mettre en, en, en au pas de loi euh, tout un pays. Pourquoi il lâcherait des hélicoptères sur euh, trois totaux euh, qui vivent à Tarnac Pourquoi faire des choses pareilles En quoi les, euh, les discours et les énoncés euh, de quelques camarades mettent en danger la république En rien, ça n'a pas de sens. Ça semble pas avoir de sens si. On ne se repose pas, hein, là, simplement, la question, justement, de la légitimité sans cesse revérifiable d'une société par elle-même et de son rapport à l'extériorité, de son incapacité, finalement, à gérer toute seule la réalité de sa force sans qu'elle soit accompagnée par euh, un discours qui réaffirme une sorte d'éternité d'évidence de son dernier état. Donc tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, y fait dissonance, laisse trop supposer d'une autre possibilité pour que ce soit tolérable. Même si cette autre possibilité ne menace personne. C'est euh, une des choses les plus étonnantes dans, euh, dans le déploiement de force des, euh, des États, des institutions. C'est très difficile à comprendre, et c'est vrai également dans des choses qui ne sont ni des états, enfin, de la même manière. Par exemple, quand, quand vous avez, je prends un exemple beaucoup plus simple, un exemple artistique, plus proche de moi, il faut voir le temps infini que passe dans le monde des bandes dessinées des esprits conservateurs à qui le monde appartient, qui louent chaque jour. Euh, L'importance euh, inouïe euh, de, de, de savoir voir la beauté euh, des, des grands maîtres de la bande dessinée qui étaient Franquin. Enfin, tout, tout, Essayez d'imaginer tout ce que vous pouvez imaginer de tous les clichés qui constituent le panorama historique des bandes dessinées à, à Papa, qui vous cassent les couilles à longueur d'année avec Hergé le monde leur appartient. Je veux dire, si on regarde les 20 premiers titres euh, qui se chiffrent euh, chaque année en, en millions de ventes, euh, c'est toujours les mêmes. C'est soit les retirages infinis euh, des mêmes titres, Astérix, les Tuniques bleues, enfin toutes ces choses soit euh, leur poursuite artificielle par euh, des, 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 comment, des des laborieux tâcherons euh, de, de seconde zone euh, qui poursuivent l'œuvre euh, euh, achevée, pourtant, de tel ou tel auteur pour euh, continuer leur série. C'est ça qui vend des millions de titres. Et pourtant, si vous allez euh, dans les revues, euh, sur les forums... De, de ces, euh, ces espaces où on parle copieusement de bande dessinée, la complainte interminable de ces gens à qui le monde appartient sur le danger que représentent euh, l'expérimentation euh, graphique, euh, ces salcons prétentieux qui font de la bd 1 des, des trucs qui font des chiffres de vente ridicules, qui sont à peine présents dans la librairie, dont tout le monde se bat complètement les couilles, que personne ne lit. Donc mes, mes bouquins, euh, moins que n'importe quel autre. Je ne, on pourrait dire, mais, mais pourquoi ils perdent deux secondes de leur vie à parler de quelque chose qui n'existe même pas dans leur monde sensible, qu'ils n'ont aucune chance de rencontrer nulle part Quelle est la faiblesse de leur cuirasse qui, qui fait qu'il y a un point sur lequel il leur semble absolument nécessaire de bien rappeler que le monde est semblable à l'idée qu'ils s'en font C'est assez stupéfiant. Si on écarte ce dont je vous parlais juste avant. Alors, RG, franchement, c'est nul. Alors, la peur qu'elle donne des idées à d'autres, oui, je suis probablement dans une toute petite société comme celle dont on parle là, dans le village de Chebika. Il est possible. Mais même cette crainte est une crainte... Comment dire Quand on voit qui représente en quantité sociale... Les, euh, les personnes LGBT, les personnes queer. C'est tellement rien socialement. Qu'est-ce que ça menace de l'organisation du monde Pourquoi diable est-ce si compliqué de, de vivre euh, en, en bonne société Et pourquoi est-on obligé d'inventer des chimères conservatrices qui laissent supposer une sorte de contagion de la pensée euh, et euh, du, des modèles queer à l'égard de, de non-concernés Pourquoi Tu vois, le, le principe même de contagion dont tu es en train de parler, c'est-à-dire l'idée que, que cette femme pourrait effectivement euh, menacer cet homme, elle, elle est très largement imaginaire. Elle l'est évidemment moins que dans le cadre de, de la pensée queer, euh, euh, au sens où si elle prend une position politique, euh, elle prend une position d'adepte et elle peut former d'autres adeptes, ils peuvent en parler. Mais... Ça n'est rien. Enfin, c'est une quantité ridicule qui ne met pas autant en péril, euh, évidemment, cette, cette espèce d'institution que, que constitue son cadre social, que l'obstination à la pointée du doigt, par exemple, qui, à la longue, peut faire grossir un, un point qui n'a aucune importance, qui est insignifiant. Et bien que tout le monde le sache. Je veux dire, bien que... Les institutions elles-mêmes n'ignorent pas ce qu'on appelle l'effet C'est-à-dire Cette aptitude à rendre grand ce qui ne l'était pas, à force d'en parler. Et pourtant, elles persistent, ces institutions. Elles persistent à s'épandre dans, euh, dans ce type de discours et d'action. C'est assez étonnant. Alors, le SPK a rencontré une répression aussi à Bracadabrantès -en, en son temps. Oui, oui, oui. Bah, tous les mouvements corpusculaires euh, vraiment dérisoires qui ne menaçaient personne ont, ont, ont vécu ce genre de choses. Ouais. L'Église n'a pas été la dernière, l'Église catholique, pour euh, euh, écrabouiller des, des petites sectes sans importance. Je parle pas de, des Arianistes qui mettaient vraiment en danger le dogme, mais. Euh, les Qatars, ben, on, on s'en fout, quoi. Donc, elle a appris à lire, elle veut se barrer. Et évidemment, le village l'aperçoit comme un corps étranger et la traite comme folle ou euh, possédée. Elle est un monstre dans la mesure où elle se sépare de tous. Elle se détache des normes établies. Elle postule implicitement, par sa seule existence, que la novation entraîne la dissolution des formes qui entretiennent la conservation du groupe, sa perpétuation. Il y a quelque chose que dit Duvignon qui est important quand il dit ⁇ Elle se sépare de tous, se détache des normes établies ⁇ C'est qu'elle se détache également de l'emprise que ces codes et ces normes peuvent exercer sur elle. Ça veut dire qu'elle devient plus forte. On est d'accord. Euh, quand, euh, quand réellement, quand ça n'est pas fin, si c'est vrai chez vous, Rien de ce qui intéresse le monde capitaliste ne vous intéresse. Si l'argent n'a aucun intérêt pour vous, si la possession vous en gratte une sans réveiller l'autre, si toutes les valeurs de, du capitalisme vous vous en battez les couilles, alors on a très peu de pouvoir sur vous. On a très peu de pouvoir de vous faire faire des choses qui ne vous intéressent pas on a très peu de pouvoir de vous mettre au travail, de vous faire obéir à ceci ou à cela, de vous faire perdre votre temps à des conneries pour obtenir des choses qui de toute façon ne vous intéressent pas. Donc évidemment, cet, euh, cet éloignement des valeurs vous rend insensible à la menace que représenterait la perte des euh, gains imaginaires apportés par ces valeurs. Vous vous en foutez, vous les savez désormais imaginaires. Ces guerres symboliques ou imaginaires ne vous intéressent plus. D'une certaine manière, cette, ce jaillissement euh, de l'effraction, euh, l'irruption de votre euh, situation nouvelle, anomique, vous rend insensible à pas mal de menaces et de chantages sociaux. Alors, mettons malheureux, mon malheureux, après ils se mettent à parler de l'ardon végétaux et c'est la fin du monde. Ah, où vous en êtes là Comment vous en êtes arrivé là On aurait pu les laisser être végétariens tranquilles. Qui ça, les adorateurs de Moulin ah, J'ai raté des bouts. Là, je ne sais pas où vous êtes parti. Comment vous en arrivez là Des lardons végétaux Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je n'ai jamais entendu parler de lardons végétaux, Suza. Quelle étrange idée. Elle fait, dirait-on, l'équation suivante. Donc, cette jeune femme. La novation doit être nouvelle vis-à-vis -vis des règles reçues. Par conséquent, les règles reçues stoppent la Changeons de vie pour appeler le changement sur nous. Donc, elle perçoit le danger que représente pour elle la société à laquelle, jusque-là, elle était climatée. Parce que celle-ci l'empêche de, de changer euh, parce que cette société est inchangeable elle-même. Elle ne peut donc pas changer cette société, il faut faire autre chose. Rima n'a pas lu hein, les Freudos marxistes, donc elle n'a pas lu Lyotard, elle n'a pas lu Marc, Marcus, etc. <laughs> Sans le savoir, elle fait comme Reich. Donc on parle de Wilhelm Reich, euh, donc un gars euh, formation psychanalytique marxiste qui a écrit psychologie de masse du fascisme. Qui a fini bizarrement, qui a inventé des boîtes à orgones. Donc, euh, qui, est, qui est parti un peu en couille, on va dire ça comme ça. Mais suis pas le seul. Hein. Chez les psychos, il y en a quand même pas mal qui sont partis un peu en couille. Hein. Alors, tu dis quoi Votre pays, Notre pays est en train de voter des lois pour interdire de parler de viande végé, de lait végé, parce que c'est la fin de la civilisation. Le genre de lait d'avoine, cette menace pour la France ah, les Qatars végétariens, je ne sais pas, Suze. Glitch. Est-ce qu'ils étaient végétariens Tu sais que je ne sais pas grand chose des Qatars, mon Dieu. Euh, je ne sais pas. Mais euh, François d'Assise aussi était végétarien. Donc, 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 qu'est-ce que je disais On est pas mal dans le sujet, hein d'accord. Le lait d'avoine. Oui. Je ne sais pas ce que j'en pense. Euh, ouais. bah, je sais pas, Alors, on est vraiment au sujet, mais euh, bon, moi j'aime bien les desserts au soja, c'est plutôt cool. Mais je suis euh, intrigué par le fait qu'on appelle ça des yaourts au soja, je ne comprends pas bien. Enfin, les yaourts, c'est une préparation lactée, donc c'est autre chose. On peut appeler ça des desserts au soja. Est-ce que c'est vraiment utile d'appeler ça yaourt Je vois pas bien le. Parce que du coup, si si aimes les yaourts et c'est ça que tu attends comme joie, tu ne vas pas l'avoir tu vas faire une autre expérience ça n'a rien à voir c'est complètement autre chose donc si tu veux convaincre euh, pas des gens qui jusque là euh, euh, bouffaient des yaourts de, de bouffer autre chose euh, c'est une erreur stratégique d'appeler ça yaourt au soja parce qu'il va faire la grimace c'est quoi cette merde par contre, si tu lui dis, euh, on peut faire des desserts avec autre chose, ça c'est un dessert au soja, c'est autre chose, c'est plutôt chouette, goûte. Ah ouais, c'est pas mal, c'est marrant. Voilà, enfin, super, oui. La question des termes, des, de la façon d'appeler les choses qu'on mange, euh, elle n'est pas seulement prise, euh, enfin, c'est une réalité sociale, générale. Pas, et euh, euh, elle s'historicise, voilà, elle prend du sens euh, aussi euh, dans une articulation plus générale au, oui, au comportement euh, alimentaire, etc. Est-ce que c'est bien utile de voter une loi pour… Alors ça, non, je, je ne vois pas l'intérêt. Euh, si les questions de ça, c'est complètement con. <laughs> je ne vois pas l'intérêt. Effectivement, c'est idiot. Je suis d'accord, mais je ne pensais pas à ça. Je pense juste à ma propre perplexité. Non, je ne vois pas l'intérêt de voter une loi pour ça. Franchement, euh... si c'est le cas, je ne comprends pas pourquoi. Mm -mm -mm. Alors, donc elle n'a pas lu les marxistes et elle fait comme Reich l'option suivante. Le développement économique de la région prendra des siècles. Devons-nous l'attendre pour changer Commençons dès maintenant à nous modifier et la transformation générale suivra. C'est ça, ça part d'hérésie si vous voulez. C'est pour ça qu'elle est hérétique. Euh, steak végétal, t'as toujours pas compris. Et tu t'en prépares toi-même. Oui, 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 ce vocabulaire me paraît un peu débilitant aussi. J'avoue que je ne comprends pas non plus. il y a un rapport au marché qui est vraiment bizarre c'est l'idée qu'on reste sur des fétichisations sémantiques qui composent une espèce d'ordinaire du vocabulaire alimentaire et le seul moyen de s'y insérer au lieu de changer les habitudes alimentaires c'est de, de faire comme si de, ça me semble politiquement un peu contre-productif pour ma part Mais bon. on a-tu imaginé une vache à la Archibald <laughs> C'est très drôle. C'est une belle image. Une vache à la Chine-Boldo qui produit euh, du lait euh, d'avoine. C'est très beau. Euh... Toi, tu as vu des yaourts au lait de nos agriculteurs. Non, c'est dégueulasse. Personne ne veut manger ça. Quelle horreur. Donc, Rima est très consciente de ceci. On ne va pas attendre la transformation de la société pour changer soi-même. Donc si on est mal perçu par la société, c'est plus vivable que d'attendre que la société change. Voilà. Sinon, on meurt de chagrin. Car pendant ce temps, le village expérimente une dialectique inverse. Le développement économique ne vient pas encore. Il doit venir inéluctablement, mais en attendant, il faut vivre. Fût-ce aussi mal que les vieux du village ont pu vivre en leur temps. Une seule chose demeure, maintenir les formes de l'existence ancienne demeurer ce que l'on est. Mais dira-t-on se maintenir dans cet état, n'est-ce pas reculer d'autant le changement même Ça, c'est évidemment une question hyper intéressante. C'est quand on voit euh, les réactions vives euh, de, des esprits conservateurs, aux choses qui les heurtent, c'est-à-dire qui sont incapables de, de faire rentrer la transformation sociale dans, euh, pour toute qu'elle soit par des politiques qu'elle soient formelle hein, qu'elle soit même industrielle pourquoi pas donc dans, dans, en gros la série d'innovations hein, que ce soit des objets tout ce que vous voulez on s'en fout et qui se raffermissent en euh, invoquant la nécessité de, de maintenir euh, des cadres des cadres très très fermes ça peut être désénoncé, comme le dit Suge d'ailleurs. Elle parle d'une espèce d'obsession euh, euh, du, du discours euh, conservateur pour garder ce qui serait une espèce d'état de langue idéal. Toute cette énergie, euh, toute cette production-là, elle est dans le temps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Elle est prise dans la durée. Euh, quand, euh, quand une brochette... De, de fascistes euh, s'obstinent à passer leur existence à écrire, euh, à, à vociférer toute la sainte journée, à déblatérer sur euh, euh, l'écriture inclusive qui les blesse tant. Ils le font dans la durée d'un temps qui passe réellement et qui passe au-dessus d'eux, qui passe sans eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de maintenir quelque chose. Ils sont effectivement en train de reculer. Ils sont. Exactement comme quand on fait avancer le décor et que les personnages restent sur place. C'est ça, la relativité. Ces gens vont... C est, c est, on dit souvent euh, des fascistes qu'ils vont en arrière, mais c'est vrai. Leur temporalité produit réellement ça. Bon, on s'éloigne un peu de, du sujet, mais peut-être pas tant que ça. Alors, ce sont des lois qui font polémique et à côté, on voit des lois plus graves comme celles sur les RSA et l'obligation du travail. Oui, c'est des lois faites pour jacasser interminablement sur des choses... Sans importance pour détourner le regard, comme d'habitude, de l'arrasement de la société dans son immense brutalité. Oui. Alors ce qui est très absurde, c'est que les traditions, c'est pas l'opposé du changement. Elles peuvent en être la matrice. Enfin, il n'y a pas une espèce de, de construction complètement euh, agonistique, euh, complètement euh, séparée euh, et, et purement polaire entre euh, tradition et changement. Ces choses peuvent tout à fait euh, s'organiser ensemble. Euh, Duvignot, à ce sujet, vous propose de lire « Un village en Chine rouge où, » euh, euh, où la dialectique est inverse dans la relation de la tradition et du changement. Voilà. Alors, alors, le rapport des conservateurs au soja est assez amusant à les écouter. Le lait de soja vient directement des enfers. Ça va passer ça dès maintenant Tu pensais avoir une fenêtre de répit euh, Je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas tout ça. C'est des aspects du monde euh, dont je ne suis pas forcément au courant. Cet été, putain de merde. Ah ouais. L'obligation du travail et du RSA, ça y est, ça passe. Quelle violence! Putain, quelle brutalité! Ce qui est terrible, c'est. Comment dire ça? Nos chances de survie sont misérables. En fait, nous n'en avons pas. Que ce soit bien clair, quiconque prétend que ça va s'arranger par la science ou par quelque moyen que ce soit, ment effrontément. Ça ne va pas s'arranger, il n'y a aucune chance que ça s'arrange. La seule chance pour que quoi que ce soit freine le réchauffement climatique et ses effets et la destruction lente de toute l'organisation humaine sur Terre, c'est que brutalement, d'un seul coup, nous divorcions du rapport productiviste au capitalisme. Et ça, ça ne va pas arriver. Il n'y a aucun moment où ça va arriver. Autant dire que nos chances de survie sont juste nulles. Rien ne va s'arranger à aucun moment. Voilà, que ce soit clair. Ce n'est même pas la peine de continuer à gesticuler en faisant comme si. Ça ne veut pas dire que nous devons abandonner nos prochains, mais notre amour de nos prochains, c'est ici et maintenant, c'est que du présent. Quiconque est en train de tracer une espèce d'horizon débile en s'imaginant un avenir pour lui et ses enfants euh, vit complètement en dehors de toute euh, réalité, hein. franchement. Bref, euh, donc pendant ce temps-là, ces oseaux sont en train à... ah il y a un message supprimé pourquoi qui a dit quoi ah oui il y a écrit Macron Macron a encore répété tout en insistant bien sur la grandeur du travail mais qu'il aille se faire foutre ce qui va se passer et j'espère que c'est ce qui va se passer c'est qu'on va tous poser nos culs par terre et que plus personne ne va travailler dès l'instant où tout le monde aura compris ce qui se trame vraiment et que je me disais, mais on va pas aller bosser en fait, on va pas faire ça, on va rien faire de cet ordre ». Peu importe les moyens dont nous allons récupérer nos vies, pour le peu de temps qui nous reste, pair, qui nous reste à vivre, mais il n'y a rien au monde qui va nous faire nous occuper pour les 10, 20, 30 années, qui mais 30 ans, je rêve, même pas. Bon, pour ce qui nous reste, à faire des conneries pour servir cette vision complètement éclatée au sol de, de l'existence et de l'organisation de la société. Enfin, qui, franchement, si on en est là-dessus, là, ça va pas. Hein. Les petites lois de l'autre gland, là, pitié. Franchement, là. bref, 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 bref. La rencontre de ces deux raisonnements, informulés mais observables fait de Rima un personnage anomique. L'individuation extrême d'un cas ne résulte pas d'une volonté consciente d'être un individu, mais le fait pour un être humain de s'isoler dans l'affirmation de soi résulte au contraire de l'affrontement de deux logiques internes à la société. Évidemment, ça ne suffit pas à la déterminer. Sinon, vous vous doutez bien que nous pourrions déduire de l'état de cette société à un moment M, L'anomie à venir de l'intégralité de ceux qui naissent, y vivent et y meurent. Ce n'est pas ce qui arrive. Rima n'a pas demandé à cet individu-là, ce personnage hérétique. Tu veux une petite passe Attends, bouge pas. Euh, tu peux prendre celle-là, il n'y a pas de problème. Tu ah. en si veux une seconde hein Je pense que celle-là ouais, oh ouais, tient. tient avec... Ça tient avec deux. Voilà. Qu'est-ce que je disais Alors, tu espères qu'il y aura une révolte digne de ce nom C'est ça, on se révolte pas, et juste on reste assis par terre et on regarde, mais de toute façon, le résultat sera le même. Euh, ce n'est pas non plus tellement les types de relations entre les êtres humains, ni que je nous souhaite, ni que je me souhaite, en effet. Non, je suis désolé, je suis peut-être d'humeur très, très sombre ce soir. Euh... Pour les raisons que vous savez mais euh, qu'est ce que ça change hein mon humeur sombre ne changera rien à l'affaire je pourrais faire semblant d'être joyeux et se tiller dans tous les coins quelle importance donc rima n'a pas demandé à être cet individu là ce personnage hérétique mais cette extrême individualisation que les gens du village appellent la folie ou la possession par les mauvais démons apparaît au carrefour de deux séries divergentes L'une qui prend pour moteur la rupture et le changement, l'autre qui postule le maintien et la conservation sociale. Je transmettrai votre bonsoir. La situation de Rima est homologue à celle d'Antigone. Donc Antigone, je suppose que vous connaissez, je ne sais pas si vous avez euh, lu ou pas, mais vous euh, voyez ce que c'est, c'est une pièce de Sophocle surtout. enfin Antigone était déjà euh, présente comme personnage chez Échille dans une pièce qui doit s'appeler euh, Les euh, Sept Contre Thèbes ou Devant Thèbes, euh, je ne sais plus. Mais c'est euh, chez Sophocle que le personnage est surtout euh, développé. Alors, Antigone, c'est la fille euh, de Deep, donc euh, Deep, vous voyez qui c'est, et de Jocaste. Jocaste, euh, c'est la mère d'Oedipe, hein, ce qui fait que Jocaste est à la fois la mère et la grand-mère euh, d'Antigone, hein, quand même. Donc, Oedipe, il est, euh, comment, il est roi de Thèbes. Et euh, Antigone a deux frères, a deux frangins, qui sont des noms à coucher dehors avec des billets de logement, comme d'habitude. Il y en a un qui s'appelle Polynice et l'autre, Étéocle. Et Polydice et Étéocle vont se battre à mort pour euh, prendre la succession de Thèbes. Pour, pour devenir euh, roi de Thèbes Et il y en a un des deux. C'est euh, lequel des deux C'est euh, Polynice. Polynice assiège la ville. Et il perd. Et euh, il tombe. Et euh, donc, comment Antigone est euh, mariée euh, Son mec s'appelle Émon. Émon, c'est ça Émon est le fils de Créon. Et Créon est le frère de Jocaste. Donc, c'est l'oncle, si vous voulez, d'Antigone. Créon, l'oncle, pourquoi je vous parle des mots, c'est parce qu'il va intervenir pour défendre Antigone après. Euh, il n'est pas tout seul d'ailleurs. Enfin, bref. Créon ne reconnaît, enfin, Créon considère que, que Polynice est un traître et il refuse qu'il soit enterré. Voilà. Il veut qu'il pourrisse sur pied, qu'il pourrisse sur place comme une merde et euh, il interdit qu'on l'enterre. Antigone souffre le, martyr de, de cette humiliation faite à son frangin et elle, euh, elle va l'enterrer elle va pour l'ensevelir et euh, comment elle se fait arrêter au moment où elle est en train de d'essayer d'enterrer son frangin euh, elle est arrêtée elle est jugée par Tonton par euh, Tonton Crayon donc qui euh, exige qu'elle soit emmurée vivante pas super cool d'un créé, bonhomme. Mais, 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 euh, son mari, euh, donc Émon, comme il est le fils de Créon, il peut intervenir en, euh, auprès de lui et dire, bon bah non, me la tue pas, je l'aime. Et il euh, y a aussi, comment, euh, Thérésias, le... Comme, euh... qui est un devin, un oracle, je sais plus. Ah, enfin bref, Thérésias, un mage. Je cherche le mot exact, mais je ne le trouve pas. Thérésias aussi défend Antigone, ce qui fait que qu'elle obtient gain de cause au, au cours du procès. Malheureusement, euh, euh, elle ne le sait pas. Donc, pendant le procès, elle se tue. Elle se tue. Je ne sais plus comment elle se tue. Peut-être qu'elle se pend. Je ne sais pas. Euh, je crois. Je crois qu'elle s'est pendue. Et c'est une, une chaîne de suicide. Après, son mari se suicide. Enfin, c'est terrible. Voilà. Donc, une histoire terrible, terrible, terrible. Alors, il y a celle d'Anouilh aussi. Oui, j'ai lu ça quand j'étais môme. Je. Je ai pas beaucoup de souvenirs, je dois dire. Ah, C'était un devin aveugle, Tiresias. D'accord, je me souviens, moi, de la pièce Les, les Mamelles de Tiresias. Je crois que c'est Apollinaire. Enfin, bref, celui-ci, Tiresias, a d'autres trucs. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bref, Antigone, très beau personnage tragique. Je crois qu'il y en a plein d'autres. Hein. Euh, on retrouve Antigone aussi euh, après. Donc D'abord chez Eschyle puis chez Sophocle, il y aura Ripid qui va revenir dessus aussi dans une pièce. Comme euh, en Sophocle, lui, il revient deux fois. Il y a une autre pièce où intervient Antigone, mais j'ai oublié le titre. Euh, et puis tout au long de l'histoire, il y aura plein d'Antigone. Enfin, ça va vraiment être un personnage qui va hanter euh, le théâtre, euh, notamment le théâtre classique français euh, au XVIIe. Bref. On continue. Rima est comme Antigone. Elle est anomique. Presque tous les cas d'anomie sont tragiques ou comiques parce qu'ils impliquent le jugement répressif d'un groupe ou la dérision qui sanctionne le solitaire ou le fou. Rousseau l'avait bien compris. Alors, l'amour de Duvignon pour Rousseau, je pense qu'il vient de son maître hein, parce que euh, Duvignon faisait partie du groupe de sociologie de la connaissance qui avait été fondé par euh, Gourvitch, dont, euh, dont Duvignon était un, un, un disciple en quelque sorte hein. à un certain moment. Donc je suppose que la défense de Rousseau a été intégrée par Duvigno, j'imagine. L'exemple du théâtre, puis de Rima, m'ont sans doute appris que l'anomie n'était pas aussi simple que le pensait Durkheim, ni Merton. Donc Merton, c'est le gars dont je vous ai parlé, qui réinjecte dans la théorie dur durkheimienne une subtilité importante, à savoir, il suppose que dans euh, les, les sillages des conduites suicidaires, on doit garder en tête l'espèce de double bind, c'est-à-dire d'injonction contradictoire des sociétés qui placent quelque part un horizon tout en maintenant dans les cadres sociaux l'impossibilité de les atteindre. Voilà. Alors, tu es peut-être un homme d'État en puissance, j'ai guéri depuis, mais bon, l'intérêt général et la paix civile, ça me parlait. Tu étais toi, docteur Wack, un homme d'état en puissance. Tu veux dire que la, le pouvoir t'a intéressé à un moment de ta vie Il ne s'agissait pas seulement de répéter les manifestations d'un hérétisme ou d'un désir qui ne retenait plus les objets traditionnellement offerts par une culture à ses membres. Le mouvement est plus ample. Surtout, il concerne toute la vie de l'imaginaire collectif dans la mesure où il s'incarne momentanément dans un individu. Il déborde les tentatives. Alors, en quoi concerne-t-il toute la vie de l'imaginaire collectif Parce qu'il s'incarne momentanément dans un individu, c'est une question compliquée. Est-ce que ça veut dire qu'on doit supposer comme contenu en puissance euh, les formes de euh, la subversion ou euh, de l'anomie dans tous les corps, hein, dans l'agencement de tous les corps Je... Je ne crois pas. Hein. Euh, mais euh, peut-être, hein, en tout cas, on doit, euh, on doit euh, voir une espèce de potentialité générale qui n'est peut-être pas cette anomie-là, mais le fait anomique général, comme en puissance dans toutes les réalisations individuelles. La chose la plus, euh, comment dire, peut-être la plus décevante et qu'en réalité ça n'arrive pas, ou ça arrive très peu. Voilà, voilà, voilà. Bon. On continue. Ah. Il déborde les tentatives de réduction à des milieux, des visions du monde, des idéologies. Puisque l'événement anomique est un éclatement à l'intérieur d'une matière qu'il anime. Il déborde les tentatives de réduction à des milieux, des visions du monde, des idéologies. Ça, bon, c'est intéressant. Le fait anomique est vraiment celui qui se soustrait à toute anticipation, à toute méthode en, en, en hypothético-déductive. Puisque l'événement anomique est un éclatement à l'intérieur d'une matière qui l'anime. N'oublions pas que Duvignot a déjà dit à propos de la vie elle-même que naître, c'est éclaté dans le vide. Cet acte, au sens que Gourvitch faisait à ce mot, oblige l'analyse sociologique à renoncer aux platitudes mythiques. Alors, euh, comment Gourvitch, euh, comment Donc, Gourvitch, si vous ne connaissez pas, il était proche au départ de la pensée de Marcel Mauss. Moi, je ne sais pas ce que le, le mot acte prend comme sens chez Gourvitch. J'en sais rien du tout, en fait. Donc, euh, je ne peux pas vous éclairer. Ça, sur ça, je peux vous dire juste que Gourvitch, c'est euh, entre autres choses un sociologue, un théoricien, un essayiste, euh, qui est surtout connu pour la grande euh, hétérogénéité de son socle, de ce avec quoi il travaille. C'est quelqu'un qui est reconnu surtout pour euh, euh, le côté euh, étrange, décloisonnant euh, de, de sa théorie. Euh, euh, voilà, il est surtout connu pour ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il est tombé un peu en désuétude. Peut-être parce qu'il est insaisissable. À cause de ça, peut-être, je ne sais pas. Alors, l'espèce de double bain dont tu parles, c'est quand on vote des lois pour forcer les réessayistes incapables de travailler à travailler. Oui, oui, voilà. tous les moyens par lesquels on prétend produire de l'intégration et qui sont de la désintégration, par exemple. Il y en a énormément dans, dans les directives euh, prétendument sociales euh, qui viennent de, de l'État. Alors, tu crois surtout, ou tu crois que tu croyais déjà qu'il faut minimiser la souffrance et que Crayon assume d'être dur avec un individu pour le bien de la cité Ouais, mais il le fait uniquement au nom de la perpétuation des normes. Et euh, je ne sais pas si euh, précisément la vraie, je dirais la vraie euh, puissance ne serait pas d'être parfaitement capable d'administrer le jaillissement du fait anomique si on a vraiment foi dans euh, les structures. De la société qu'on défend. Si on a foi en ces structures, on ne les croit pas euh, amoindrissables par une effraction, tu vois. Alors, ouais, c'est un utilitarisme, quoi. Mmh. Voilà ce que dis-tu. Donc, euh, qu'est-ce que je disais Cet acte, au sens que Gourvitch faisait à ce mot, donc je ne sais pas quel sens euh, Gourvitch fait au mot acte oblige l'analyse sociologique à renoncer aux platitudes mystique, mythiques, pardon, à s'interroger sur les raisons qui permettent d'expliquer l'émergence à partir d'une trame collective d'un phénomène individuel. Voilà. C'est ce que demande Vigneau, qu'on renonce aux platitudes mythiques qui permettraient d'expliquer à partir d'une trame collective un phénomène individuel. Une dialectique impitoyable devrait, à partir de cette pratique concrète, Pulvériser les termes et les réalités désignées par ces termes que les critiques utilisent pour se sécuriser eux-mêmes. Alors, que dites-vous euh... T'aimes pas Crayon C'est pas un compliment, nous dit mais tu aimes les parenthèses. Dans ton souvenir, tel que posé par le texte, l'attitude d'Antigone remet en question la fin de la guerre civile. Euh... Tu crois réellement que, que c'est une stratégie euh, au nom de laquelle Créon euh, humilierait euh, euh, le, le corps de Polynice euh, Est-il objet vraiment d'autant de tension que ça Parce que euh, Créon n'est pas euh, seul dans son euh, slip euh, à accorder autant d'importance à la une trahison euh, énoncée comme telle de Polynice. C'est plus, hein, moi, c'est très vieux tout ça. Alors toi, tu te tuerais probablement et assez rapidement à la tâche. si On te contraint ainsi socialement une activité salariée. Il n'y a quasiment aucun espace de travail avec une stratégie de réduction des risques digne de ce nom face au Covid. Et avec tes soucis cardiovasculaires, tu l'aurais dans le baba dès la première des prochaines vagues. Ouais. Suzy elle enterre juste son frère. Après, il faut voir aussi de quoi ce, le, ce corps est effectivement devenu le symbole, quoi. Mais bon. Ben moi non plus, docteur Wack. Mes souvenirs ne sont plus du tout précis. Je vous raconte l'histoire d'Antigone à gros traits tels qu'elle m... Qu me revient en mémoire, mais bon. Alors, une galactique impitoyable devrait, à partir de cette pratique concrète, pulvériser les termes et les réalités désignées par ces termes, que les critiques, que les critiques utilisent pour se sécuriser eux-mêmes. Là devrait apparaître le double caractère de l'anomie événements, fêtes, situations ou individus. La subversion et l'anticipation. Double caractère qui se manifeste toujours symboliquement, puisque le désir infini, qui provoque l'anomie, ne peut transcender la diversité sociale, et que l'effort de communication généralisée se résout en métaphore, équivalent analogique d'une impossible ouverture des consciences entre elles. Bon, cette phrase est un peu compliquée, elle est riche et je m'en voudrais de vous la euh, s'aborder ce soir alors que je commence non seulement à être fatigué mais à être, je le sens bien de plus en plus à intérieurement. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se la garde pour la prochaine fois et on partira là-dessus. Ça me semble pas mal comme articulation parce qu'elle amène euh, toute l'ouverture des faits euh, nouveaux qui suivent hein. Et comme ça, on, alors évidemment, c'est un peu cruel parce qu'on a, a, n'est on pas loin de la fin du chapitre, mais euh, ça me paraît compliqué de. Bon, je vais quand même essayer. Je vais me la relier et je vois si je peux faire quelque chose avec elle, d'accord Mais je commence un petit peu à. Je vois bien que je, je, je faiblis là. Hmm, double caractère de ce qui se manifeste toujours symboliquement. Puisque le désir infini qui provoque l'anomie ne peut transcender la diversité sociale. Et que l'effort de communication généralisée se résout en métaphore, équivalent analogique d'une impossible ouverture des consciences entre elles. L'effort de communication généralisée se résout en métaphore, sans doute parce qu'elle est impossible. Évidemment, elle ne peut être que métaphorique. L'idée que tous les corps entre eux, à l'intérieur d'une société, pourraient, d'une certaine manière, parler le même discours, la même loi, les mêmes règles équivalent analogique d'une impossible ouverture des consciences entre elles, qui ne peuvent prendre entre elles conscience les unes des autres. Mmh. Ouais, moi, je comprends à peu près ça comme ça, mais j'ai peur d'être en train de trahir le sens de cette phrase, parce que je vois bien que je fatigue. Donc, je ne vais pas faire ça. Voilà, je ne vais pas faire ça, les gens. Je vais euh, m'en tenir là pour aujourd'hui. On continuera d'ici peu, vous inquiétez pas. Euh, J'espère que ça allait. J'espère que c'était à peu près compréhensible et que. Euh, et que la tristesse de la situation ne l'a pas emporté sur mon aptitude à passer quand même un petit moment euh, agréable avec vous, que c'était agréable pour vous, quand même. Voilà. J'espère, j'espère. Eh ben, si bien, si c'était bien, tant mieux. Je. Peut-être que vous avez besoin de distraction, hein, que c'est le moment <laughs> d'aller dire un petit bonjour euh, à quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez, quelqu'un euh, d'un peu plus enlevé, d'un peu, euh, peu moins euh, traversé, je dirais, par des courants intérieurs épouvantables Parce que là, euh, ce n'est pas la fête. Hein. <laughs> euh, je sens que ça commence à me déborder un petit peu. Donc, du coup, ce que je vous euh, propose. C'est de se faire un petit raid sympa. Ça pourrait être agréable. Et euh, qui on pourrait euh, raider qui, À qui vous aimeriez aller dire euh, bonsoir Je vais vous dire qu'il y a. Et vous me dites. Alors, qui apparaît dans ma petite liste Qui apparaît dans ma petite liste Il y a qui Nous avons des officiel, officiels. Nous avons Bamwepam qui papote et nous avons Yukaino. Il n'y a pas grand monde encore ou c'est moi qui. Euh... Alors, ah bah ben oui, je vois que ça. Ben vous savez quoi Une fois n'est pas coutume. Hein ça va être Yuk. Voilà, voilà. Tu fatigues toi aussi, tu dis euh... Eh ben écoute, à très bientôt Orphir. Bonne soirée à, à tout le monde. J'espère que. Que vous allez, que vous irez bien. Et je vous dis à, à très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt.